Salut à tous, bienvenue sur le rendez-vous 20h minuit AltisLifeFrance.com comme chaque jour, enfin sauf hier, donc voilà, mais bon, comme chaque jour 20h minuit, comme à son habitude, bienvenue tout le monde, bienvenue sur la chaîne Springfellow TV, et vous pouvez découvrir cette nouvelle, ce nouveau design, voilà, je me suis amusé toute la nuit à faire ça, donc c'est un test, on verra si ça fonctionne ou pas, j'espère que ça va le vous faire, on verra, sinon on changera, on enlèvera, donc voilà, donc je tenais aussi à vous dire merci encore pour cet après-midi, pour les rediffusions des nouveaux followers présents dans la famille, donc voilà, et j'ai l'honneur de vous annoncer que mes lives vont être retranscrits directement sur instantgaming.com. Donc voilà, j'ai été contacté par email. Donc à partir d'aujourd'hui, les lives seront retransmis également sur Instant Gaming. Donc nice, merci à vous, c'est grâce à vous, merci tout le monde. Voilà. Si vous avez des commentaires sur le nouveau overlay, la publicité, c'est obligatoire. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pas que je veux pas, mais j'ai pas le choix. Et sur le petit icône, le live show de Springfellow TV. Voilà. Faites des commentaires sur Discord. Vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à dire si vous êtes positif ou négatif. C'est fait pour. On avance comme ça. Bon, allez. Place au live. Amusez-vous bien. J'espère que je vais vous faire marrer encore ce soir. Et bon live à tous. Allez, c'est parti. Personne. Déjà. Kiki, c'est Dédé, c'est le meilleur des commandants. Tu es des sous ou quoi? Il est pognon? De toute façon, tu en auras pas eu. Ah, ça y est, Ryan et Rapia là. Suriskevich là et Ratovikevich là. Comment ça va? Ça va ou quoi? Ah, il m'entend plus. Tant bien, j'ai plus envie de lui parler. Oh putain, c'est vrai qu'il y avait le truc à la con, là. Lunettes. Yop tout le monde, yop tout le monde. Salut Mikey, salut à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue Dylan. Et bienvenue à tous. Il y en a qui ont de la chance d'être en flic XD, moi j'attends comme un enfant. Attends fiston, attends. Tu verras, une fois que tu seras, tu vas dire, oh non, j'ai plus envie. Ça va venir. Tout sait attendre. Non, tout arrive à point à qui sait attendre. Oh la gueule. La journée de merde. Hop. Alors, c'est quoi qu'ils veulent qu'on s'habille, là? Putain, ils font chier avec leur truc, là. Hop. Non. Ah oui, c'est vrai que c'est ça. Acheté. Ah, c'est pas mon commandant préféré, hein. Ah, bah voilà, ça me fait plaisir, tu vois. Là, tout de suite, bah, félicitations, lieutenant. Oh, merci, lieutenant. Non, c'est une blague. Qu'est-ce que tu racontes, Mike? J'espère pas vouloir quitter après une semaine. On m'a bloqué police pendant longtemps, donc là, it's time for me. Oh, il parle anglais en plus, le garçon. J'aime quand tu parles anglais. C'est pourquoi j'aime bien que tu parles anglais, Mike. C'est parce que je comprends rien, en fait. Alors... Allez, on va prendre... qu'est-ce que je voulais dire? Hop, acheter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, les gars, vous voulez tous des promotions ou quoi? Ça va ou quoi? Bah, c'est bon, bah, c'est à moi, tu vas prendre. Oh, c'est mignon tout plein. Je te manque? Bah, ouais, c'est pour ça que je suis mis dans Viper. Ouais, ouais, d'accord. Oui, c'est vrai. Ah, je rigole, non, j'avais besoin. Ouais, c'est ça, ouais. La vérité, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Blablabla. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux.
Détruire ça. Ouais, c'est vrai que la dernière fois je suis mort, j'ai sauté sans parachute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quoi ? C'est pas quand même que je vois que là. Qui me parle ? Je suis fou en cobra, toi. En cobra, non. Vous êtes trompé, monsieur, je suis pas cobra. Hein. Apprends tes unités. La petite barbe, quand même. Apprends. Déjà, pour commencer, cobra, c'est pas moi. Toi, t'es cobra. Moi, je suis Viper, l'escouade d'élite de la police d'Altis. Alors, c'est Viper, l'escouade d'élite, c'est ça ? Ouais, quoi ? Je me confirme. Oh. Ouais, on peut pas toujours faire les bons choix. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous ferez pas sans moi, les gars ? Oh, tout. Ça c'est bon, ça c'est bon. La cri 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, voilà. Moi je prends pas de tous, hein, je suis commandant. Je peux pas être à prise de service, j'ai pas de téléphone. Ouais, on reste tout seul. Et puis la maîtresse. Tac. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4. Merde, je suis plus compliqué, ça fait 5. Encore 1. 1 jerrycan, 2 jerrycan. Voilà. Mais quoi, y'a pas de vire sur cette arme ? Tac. Plutôt mon arme. Putain, je peux mettre ça là-dessus ? Ouais, c'est génial. Elle est trop bien cette arme. Ouais. Ah bon, en fait, je me suis fait couillonner, moi. C'est l'arme pour faire de l'argent, ça. T'as pas l'habitude, à force ? Avec l'histoire de bon pain, ça a toujours pas revenu, on dirait, allez, hein. Allez, t'as quelque chose à rajouter ? Bah, une saucisse. Comment on est ici ? Il est un belge. Bon, parlez bien. Non, tout est permis. Bah si, je peux même te buter sur place si je veux. C'est ça l'avantage. C'est ça. Et toi, tu peux pas le buter en retour, malheureusement. C'est ça. Sinon t'es viré. 1, 2, 3. Allez, excusez-moi, j'ai plus envie de vous parler. Hop. Arrête ta musique de merde. Oh, mur. Salut. Vous êtes Cobra, c'est ça? Non, mais je m'en fous. Ouais, salut PD. Respect, mon commandant. Mais mon commandant préféré, bordel de merde. Voilà. Allez, pour la peine, vous allez sauter à l'eau. Allez, hop, à la nage. Tu sais pas nager ? Ah bah, je vais t'apprendre à nager avec des menottes alors. Ah non, mon commandant. Saute. Et moi, major ? Ouais, pour le coup, oui. Saute. Montre l'exemple. Allez, et on nage en chantant. Je suis un joli dauphin, je n'ai vraiment peur de rien. Allez, chante. Je suis vraiment un dauphin, et je n'ai vraiment peur de rien. Sauf du commandant. Allez, hop, on chante, là, les blaireaux, là. Qu'est-ce qu'ils font ? Bah, lui, il s'est noyé comme un con. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais il est con, quoi ! Tu peux dire à Odor de faire deux tours de BK et me troll le prince. Je lui dirais, ouais. Ah, j'ai... Bah, allez, là ! Pop, hop ! Et on est content ! On est content ! On est content. On se met. Ah. Parfait. Un petit bas matinal comme ça, ça fait pas de balle. Ah, ça fait du bien, hein. Ça réveille. Maniez-vous le cul. Mane-toi le cul, Bilucci. T'es qui, quoi? Oh putain. Oh putain, Douglas. Ouais, bah, dans son pays pourtant. Douglas, tu prends le quoi? Bah, l'échelle. Il y avait le général. Et il y avait le Douglas.
Désolé mon commandant, c'est l'échelle à glisser. Ah putain. Bon. On va prendre une petite chanson. Merde. Pas vous tuer tout de suite. J'adore nager avec les dauphins. Répétez. Je n'ai vraiment peur de rien. Sauf du commandant préféré. Et après, il faut trouver une rime avec et. J'ai envie d'aller chier. Saute. On va tous les défoncer. Non, attends, on va trouver un truc. Laissez-moi réfléchir. J'adore nager avec les dauphins. Je n'ai vraiment peur de rien. C'est que t'es parti, il y a eu un braquage. Ma vie, c'est écouté. Ah, on verra. Je vais travailler ça. Ah ouais, car je suis un killer parce que je suis Viper. Ah ben voilà. Et les respects à tous. Casse-toi, toi. Ok. C'est Sniff, ça. Oui. Ah voilà, c'est pas mal, ça. Ah. Qui c'est qui a la flotte? J'adore nager avec les dauphins. Il est de la tenue. Putain, saute. J'adore nager avec les dauphins. J'adore nager avec les dauphins. Parce que j'ai vraiment peur de rien. On est des killers parce qu'on est Viper. Ah bah voilà. C'est bien. Toi, dégage. Et on a tout ce qu'il nous faut. Yo tout le monde. On dit quoi? Yo tout le monde. Allez, yo ensemble. Voilà. C'est bien. Ils sont contents. Ah, ça fait du bien de prendre une petite douche. Oh là là, mais c'est pas possible. On va jamais y arriver. Bon, il y a des nouveaux que j'ai pas encore vus. Bon, Vini, toi, t'as intégré. Bellucci, je t'ai pas vu? Si, on s'est vu. Ah merde, bah tu m'as pas marqué. Salutations. Ah, mes respects, mon général. J'étais en train de briefer mes unités afin qu'ils vous infligent vos respects. Merci. Moi, comme d'habitude, je sais bien. Exactement, prends l'exemple sur moi. Un homme brillant. Qui n'a pas jamais mal aux dents. Bon allez. Allô? Allô? Qui me parle? Allô chérie? Ouais, tu vas bien? Ouais, nickel. Bon allez les gars là, putain. Allez là, allez. Bon, il fait quoi, Cookie là? J'arrive pas à monter. Oh là là. Commandant? Ça va? Salut. Salut. Tu m'enlèveras tes cheveux. Ensuite. Si la prochaine fois tu m'enlèves pas tes cheveux, c'est moi qui te les enlève avec mon 745. Ah non, t'es en tenue d'inter là. Qu'est-ce que vous avez dit au-dessus? Dans un espace aérien non autorisé. Bon. Bon, si vous voulez foutre ma merde dans votre unité, moi je vous vire. Allez, cassez-vous. Ouais. Bon, bref. Alors. Milky Way, tu vas aller avec l'Italien. Albertino, bah tu sers à rien, tu vas avec Douglas. Ouais. Et moi, je vais aller avec Odor Bellic. Et Kevin Seed. Il manque Sneed aussi. Ouais, bah, il va venir avec nous. Et vous allez former Alpha, Bravo, et nous, on va former Charlie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a pas trouvé. Allez, on y va. Ah, mais où est Charlie? C'est une blague. Oui. On est plus dans le... Le mur. En plus, j'avais gardé mon t-shirt. Calvin, avec nous. Ouais. C'est qui, vous? Le commandant et moi. Après, je voulais vous poser une question, je sais plus quoi. Bah, ça tombe bien, j'ai pas de réponse. Ah,
Je voulais savoir peut-être si Fumar est le bâtard et la réponse est oui. Ouais, oh, putain. Oh, toi, en fait, tu vas pas monter avec nous, toi. C'est bon, je me suis changé. Merci, Benz. Putain, mais j'ai trop de véhicules civils en fait. Allez, c'est parti, vous avez une trousse? Dans la voiture. Allez, c'est parti. On a pas trouvé, chargé, chez moi. Hop! Ah, c'est moi qui ai les clés. Là, qu'on a la chance. Ouais. Et bah, non, oh, on va les prendre. Allez, mettez cette putain de trousse dans la voiture là. Oh ça. Allez, en avant Viper. Les commandants en Wii. Je demande juste 10 secondes, faut que je fasse un petit machin. On passe canal combien déjà? 2. Vous mettez vos points à jour sur carte, je vais voir si vous savez comment faire. On mettez la radio longue et courte et tout ce que vous voulez. Allez, c'est parti. Go. Mais bravo. Pourquoi je penche toujours comme ça? Pourquoi je penche toujours hein? OK, je vous mets tous vos points. Après qu'elle penche un suceur. Ah, quel beau suceur. Bon, je leur fais là. Je vais mettre mon petit micro derrière la lumière bleue là. Hop, il est juste là. Vous voyez pas là? Hop là. Bah, il faut que tu dises comment tu fais pour faire en sorte que... M'invite de me pencher comme ça, comme un ouais. Bon, allez, je m'occupe de vous, les garçons. Ah ouais, occupez-vous de moi. Alors, Byron, XD, le beau GG et respect l'ancien ministre. Il n'y a plus de respect à l'ancien ministre, c'est fini ça. On a trouvé Charlie, je suis mort. Je suis au mauvais moment. Pas tout à l'heure ? Parce que tu penses à moi. Quoi, y'a quoi ? Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive, mec. Ça m'arrive de penser à toi. Alors, allez, gaz. Longue portée, s'il vous plaît, sur carte. Ah, génial. Oh, bah, c'est très simple. Mettez la longue sur carte, s'il vous plaît. Je la fais. Bon, est-ce que vous aimez le look du nouvel overlay ou pas? Savoir si non, je me casse les couilles à l'enlever ou à le changer. Est-ce que ça vous va? Faites-moi des petits commentaires là. Ouais. Si c'est bien, pas bien, trop gros, trop spacieux, etc. Est-ce que, vous voyez suffisamment le gameplay? Est-ce que c'est trop chargé? L'overlay, blop. L'overlay, c'est ce qu'il y a autour de moi. Là. C'est tout autour, là, c'est joli, c'est beau, c'est neuf. Je kiffe. Ah, bah nickel, Mikey. Je trouve que tu es trop caché. Ah! Tu vas donner raison à ma femme. C'est pas bien. Et là, tu préfères... Genre moi. Oui, genre toi. Donc, je vais raccourcir le petit insigne. N'hésitez pas, les gars. Lancez les coms. Dites que ça, c'est de la merde. Ça, c'est bien. Ça, c'est pourri. J'ai l'habitude. Hein. J'ai une femme, donc j'ai l'habitude. Bon, on y va ou quoi là? Comment ça se passe? Alpha. Vas-y, Biloki, on en fait. Oh, ce bruit de cette voiture. Moi, perso, je kiffe. Mais ah, Mike, toi, tu kiffes tout de toute façon. Tout ce que je fais, tu kiffes. Ouais. Bah, oh non. Par contre, Mike, il va peut-être te filer de la thune pour que tu me casses les couilles. Alors, j'ai un message pour toi, Odor. Ah, ça commence. Il faut que je le retrouve. De faire deux... Alors il fallait que je te fasse faire deux tours de PK, il troll presque, il peut aller en police, c'est pas moi. Voilà. Yop, Narilios, comment tu vas? Ouais, je sais. Ça vous dérange pas que je parle comme ça? Je trouve que la Twitch affiliate est trop importante sur l'écran, même si c'est sympa. Eh ben je le raccourcirai. Promis. Alors, hop, non, regarde. Est-ce qu'il y a moyen de refuser Mike Masquedo? Enfin, Mike... Bien sûr, il y a toujours moyen. C'est combien? Alors, je vais le raccourcir. Merci, Antikyo. Merci. Allez, je vais modifier ça. Je vais noter ça. Hein de Kavala pour sortir un Brinks pour parce que le problème, BRF, je vous dis, c'est ça. Voilà, c'est la carte en fait. Enfin, jusqu'à la. Parce que ça évite les Slimstalk, en gros. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Papa, t'as cassé là? Ils sont rentrés dedans de façon. Oh là. La radio elle est beaucoup trop forte, wesh. On va te mettre en protection, ouah. En gros, je vais pas finir les mots sinon. Écoute ce qu'a dit le major. Ah ouais. Pff, oh là là, Mike. Oh là là, Mike. À droite ou à gauche. Hey!
Ah oh, putain. Merci Major. Soignez-vous les PD là. Les Tarlouz, pardon. Vous dites ça parce qu'on c'était bien moi, c'était bien Bélix. Ouais, non bah tu peux. Aïe, tu peux sucer ma plaie. Attention, véhicule en approche, fort. Calvin. What? Albert, tu me prends, ok. Calvin, ouais. Coup... Mais... Il y a les sirènes qui vont faire un con à Brinks là. Ouais, mais vois avec le patron, le bipos, hein, c'est pas moi le patron, hein, c'est le commandant. Si, c'est toi le patron. Comment ça, c'est moi le patron? Je suis que major, moi. Oui, bah t'es patron. Ok, vas-y, répète du coup. Et moi, je suis directeur général. Du coup, il y a les sirènes qui font un Brinks, est-ce qu'on les suit ou on les suit pas? Il y a de la thune, il y a de la thune. Bon, bah, il y a de la thune alors, on y va. Ok, on va RPBK du coup. Ben on va les suivre de loin parce qu'ils sont assez discrets. Enfin, je pense. Ils t'ont donné leur destination ou pas? Ah, si, là, ils vont sortir un Brinks à la BK et ensuite ils vont DC. Voilà, c'était prévu qu'on aille à la DC Negadef, tu vois? Prévoyant. On va les sécuriser. Vous êtes voyant, Major, vous êtes voyant. Vous êtes voyant? Tu me feras pas ça après ma profession. Vous êtes voyant, Major, avec les cartes? Alors, je trouve que l'outil sur Vegas est trop important sur l'écran, même si ça part. Alors, mon petit Antico, tu parles de tout ça? De tout, hein? De tout? Ou juste du Twitch affiliate? Salut mon petit Lolo, merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour revoir les vidéos que tu as ratées. Merci à toi, mon loulou, bisous! Bienvenue! Merci beaucoup! Bienvenue à toi! Ouais, bienvenue. Et comment t'appelles tes. Mes loulous, c'est mes loulous. Mes followers, tu parles? Ouais. Mes loulous. Salut les loulous! Salut les loulous! Vous n'êtes plus aux soirées? Mais après, je conçois que l'icône c'était. Bon, alors l'icône là en bas que vous voyez là, celui-là là. C'est juste pour fêter officiellement le Instant Gaming. Hein. Je vous rassure, je vais l'enlever plus tard. L'ensemble avec le G et le tir. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, je modifierai. Hein? T'es en partenariat avec eux? Ouais, ça y est, mes streams sont directement retransmis par Instant Gaming. C'est bien pris d'Alpha. Comme je disais, mes streams sont directement. Il y en a qui me regardent le message, voir si c'est pas loin de nous. Sont sur Instant Gaming en même temps, voilà. C'est chiant, ça. Il a pas arrêté. Non, j'en ai un. Donc normalement, si vous allez sur Instant Gaming, vous cherchez Springfield TV. Ouais, c'est loin pour l'instant, on va rester là en protection. C'est leur moyen d'être plus proche. On tire. J'ai complètement zappé le coup du téléphone qui change à chaque fois là. Quelqu'un qui a un téléphone arabe ou pas? Si, Afi, on en a. Donc mon petit Antico, t'inquiète pas, je vais modifier ça. Pour le négatif, la recrue me l'a volé. Génial, tant pis. Allez, pour tous, on repart direction DC Negadef. C'est bien pris là. Hello, Alcoloc. Alors, pas trop bu ce soir? Je plaisante, bienvenue à toi. Attention! Non, on connaît, tout le monde me connaît. Tu as vraiment des idiots quand même, non? Toi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont braqué la mine de diamant. Il a pris un gros champ de diamant, pas ouais, j'ai vu. Ouais, ouais j'ai vu, mais tu veux dire quoi? Salut Bayron, merci pour ton petit don. Merci à toi, bisous mon loulou. Et ma nénette te remercie également, merci. Merci pour le pognon. Ok, direction Negadef. Non, mais je plaisante, c'était une blague en fait. Une blague à des balles. Merci pour ta donation, merci mon petit Vailleron, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Ça vous dérange pas les gars? Non? Parce qu'il y en a ça dérange et après je suis obligé de les virer. Ouais, je comprends. Elle est logique quand même. Eh oh! Attends. Eh mais du coup, il reste combien de places là, chez les Vipers là? Là c'est terminé. On est comblé, on est 15. Springfellow est dans la place. Avec toutes les quantités que vous avez? Ouais. Bah j'en ai pris 6. Hein. On était à 40 heures semaine? Minimum. Bah ça va être chaud pour les places police par contre. Bah Sabaston ne vient pas donc j'ai pris le tien là. Si Negadef est clean
faut bien type, on veut le stream deck nous. Ouais, bah moi aussi. Moi aussi je veux le stream deck, moi aussi. C'est plus facile. Mais vite de mélanger dans les touches clavier pour pouvoir faire des animations un petit peu correctes. Et bon, pour l'instant je fais pas d'animation encore, mais quand je vois le stream deck, je vous ferai des petites animations en même temps du live. Montez le stream deck, montez le stream pro. Pas le pro, mais... Je suis loin du professionnalisme et je le souhaite pas le devenir. Parce qu'après ça devient trop commercial et j'aurais plus ce lien entre vous et moi. Non. Non, mec, ça va pas. Et après ma femme va gueuler parce que je passe trop de temps. Vous me faites chier à être tous arrivés en même temps là. Eh bah attendez jeudi. Négatif jeudi, y'a plus personne apparemment. Quoi? Bah d'après je sais plus qui, ils sont pointés tout à l'heure et ils ont dit qu'ils venaient pas au final. Tout le groupe de jeudi. Qui ça? Bah je sais bien mon petit alcoolo. Alcoolo, t'as juste appelé alcoolo, je sais pas pourquoi, c'est... J'ai du mal à dire CK à la fin, alcooloc. J'ai entendu son nom. Ouais mais c'est tout, y'a que lui qui a annulé. Salut Daniel. Oh, bah, bonjour Daniel, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite à nous rejoindre sur Discord et t'abonner sur YouTube pour revoir les vidéos que tu as ratées. Bisous mon loulou, merci et bienvenue. On attend le départ. Vous êtes des grands garçons, je peux vous dire où est. Vous savez où mettre, vous mettez chacun une position et on attend. On se met derrière ou devant le convoi? Où tu vas passer VIP mon petit Varion si ma modératrice trouve le bouton VIP. Tu peux pas? Ouais mais derrière c'est plus. Ah bah je le ferai plus tard. Notez ça, c'est un bout de papier. C'est plus boueux aussi. Ça dépend, c'est la slave. Exactement, j'allais le dire. Plutôt c'est la chiave. Ben. Et on se rapproche du stream deck effectivement. Ouais, cool. Rien, je vois que vous êtes vraiment très beau. Ouais, je sais, ça le plaît. Ouais, à fond. Ouais, je sais. Parce que, ah, du coup, commandant, il y a aussi Sabrissi qui a quitté. Ouais, je sais, j'ai vu. Ouais. Ah, donc il est compté dans vos 15 là. Il est con, ouais, c'est ça. Il... Non, pas encore. Pas encore. Il faut que j'en fasse mes calculs. Excuse-moi, j'ai une vie, moi. Tu sais, il n'y a pas que la police dans la vie, hein. Il n'y a pas. Enfin, hein. Est-ce que vous voulez que je fasse les calculs pour vous? Non, non, pas la peine. Moi je suis une recrue mais je vais m'investir dans la police. Ouais mais t'es roux donc quand t'es roux t'es ripou. Je suis touché par le soleil en effet. Un durnambule. Pas de problème lui avec le soleil. Ton entretien de quoi coloc? Les roux ils ont encore plus de problèmes que les autres. Oui mais toi t'es un durnambule, t'inquiète. Moi je suis un dur à cuire. T'as compris la blague par rapport au soleil tout ça? Ouais. Ouais bah là. Trop drôle. Moi, j'ai pas compris. Drôle. Il est drôle. Parce que dans drôle, il y a roux. Ah ouais, d'accord. Sa blague du soleil, tout à l'heure, parce que je pense que le soleil, il peut faire de la chaleur et cuire les œufs, tout ça. Tout ça quoi. C'est ah ouais, d'accord. Dimanche matin, tu vois, je fais de l'airsoft. Oui. Et dans l'airsoft, on rush. Il y a un mec qui m'a regardé, il m'a dit, tiens, toi, tu vas aller roucher. Ils ont beaucoup ri, ils se sont esclaffés. D'accord. Ils ont tapé le cul par terre. Ok, d'accord. Bon, bah, je rentre dans la bagnole. Hein. Mais non, mais dégage, c'est pas conduire. Dégage. Ok, arrête de me taper. Popopo, 5000. Oh la vache. T'as mis un pack avec un S. Ce mec doit, à mon avis, avoir fait de longues. 12 packs minimum, Rampage Army vers Kalushuri. Ah. Allez, Alpha, vous repassez en tête. Tu me fais une appel longue, s'il te plaît? Tu dis à toutes les unités de se diriger. On est beaucoup ou pas? Ouais, mais y'a la BRF. Ah ouais. Putain, mais ils foutent quoi là-bas? On fout, bien, s'il y a personne à Kalo qui reste à Kalo pour le moment, on ira les fouetter après. Hein. Bon, on ira après. Parce que bon, y'a de la thune en jeu là, mon commandant. Y'a de la thune, y'a de la thune. Y'avait un véhicule sous. Une fois qu'on sera à la BA, y'aura un personnel de Charlie qui ira faire le binôme doc avec Redfield. Point, ça marche pas? Pourquoi ça marche pas, hein. Pas le convoi, les gars, on reste derrière. Salut Alex, comment ça va? Désolé. Attends pour moi, c'est moi qui ai donné l'ordre à la route. Non, y'a pas de soucis, je l'avais pas dit. Comment tu vas Alex? Raconte-moi un peu ta journée. Je déconne, on s'en fout. Et on garde des distances assez importantes, 100 mètres là, minimum. Papi, t'as cul. T'as cul?
Très bonne expression, Major. Ça sert à faire des petits jeux. Toujours dans ta bouche. Oui. Ça va, Major. Je préfère quand vous me dites de garder mes dents en jour. Oui, je sais, c'est vrai. Ferme la bouche, aura chaud, non? Ouais, c'est mieux. Me fais engueuler parce que je dis pas bonjour, Alex. T'as pas dit bonjour? Non. Si, j'ai dit salut Alex, raconte-moi ta journée. Voilà. Merci Mortadax pour ton petit... Oh, ton gros don. Oh là là. Oh, merci mon petit Mortadax, ça me fait super plaisir. Merci de ton don de 40... Oh là là, oh là, voilà. Oh les gars, mais... Vous êtes des fous, vous êtes des malades, les gars. Merci, 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 merci. Oh la vache, putain, vous me faites plaisir, là. Ah la vache, merci à tous. Bon, bah voilà. Je vais acheter le Stream Deck. Je vais vérifier avec les taxes PayPal parce que PayPal me prend du taxe. Et je vais rajouter le reste et je vais acheter le Stream Deck pour plus de plaisir sur les lives, ouais, comme promis. Et je ferai la petite vidéo de l'ouverture de ce Stream Deck que je mettrai sur YouTube. Voilà. Donc abonnez-vous à YouTube à max pour voir cette vidéo dès l'arrivée du Stream Deck. Merci à vous. Merci. Putain, je sais plus quoi vous dire, les gars. Putain, vous me faites super plaisir, en fait. Hein. Merci à tous. Merci, 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 Mortalax. Merci, merci. Mortaxi, pardon. Oh. Donc voilà, chose promise, chose due. Voilà. Bah, dès ce soir, je vais acheter mon Stream Deck. Hein. Voilà, ça va être simple. Et comme promis, je vais vous faire la petite vidéo qui va bien à la réception du colis et à l'installation de ce Stream Deck. Ça me permettra de vous présenter tout mon setup, voir un petit peu dans l'ambiance de laquelle je vous fais des lives. Vous allez voir, c'est pas ce qu'on croit, j'ai pas 300 mètres carrés de bureau. C'est pas mal, vous allez voir. Genre, c'est magnifique. Genre, je vais faire genre. Salut à toutes et à tous. C'est. C'est Springfellow TV. En slip. On se retrouve encore en pierre. Pour une nouvelle vidéo unboxing. 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 Alors là, je vous présente mon petit setup. Putain. Merci à tous, les gars. Franchement, ça me fait super plaisir. Franchement, c'est communauté au top. Je pense qu'on ira loin ensemble. Ouais. Ouais. On ira loin tous ensemble. Tous ensemble. Hey, hey. Ouais. Une vidéo setup de prévu. Ça veut dire quoi, GG? Ça veut dire quoi, vas-y? T'as bien joué? Good game? Excusez-la, elle est pas blonde, mais pas loin. Good game, bien joué! Ouais, il est content, Odor. Il est content d'être avec moi, en fait. C'est pour ça que j'ai pris Sneed et Odor avec moi, parce que... On est la joie de vivre. Ah, d'ailleurs, faut qu'on... Non, pas trop. Putain, Karimos, merci, merci à toi. Merci, mon petit Karimos, de ton don. Merci, putain, c'est la fête du don, ce soir, ou quoi? Merci, mon loulou. Putain, merci, mon petit père. Merci, ma nénette te remercie aussi. Merci, les gars. Franchement, vous êtes top. Putain, la vache, putain, c'est la soirée ou quoi? C'est show live Springfellow TV qui vous fait cet effet ou... Comment ça se passe? Quoi? Ouais, bah... Laisse-moi dire ce que je veux, merde. Merci, mon petit Karimos, merci à toi. T'as fait super plaisir, merci. Putain, c'est la fête. Bon, n'hésitez pas à follow, les gars, pour ceux qui n'ont pas encore follow. Abonnez-vous à YouTube pour ceux qui l'ont pas encore fait. Venez sur Discord et voilà. Et on fera des lives ensemble, en communauté, sur des jeux, sur... on s'en fout de ma vie, mais voilà quoi. Non, je plaisante. Là, je vais être en PLS, les gars. Si vous voyez juste l'icône en bas, et moi pas, c'est que j'ai fait un AVC, je suis par terre en fait. Hein. J'en profite pour faire ma petite pub. Alors moi j'ai une crêperie à Tira. Si vous souhaitez venir, c'est ouvert le samedi entre 20h et 3h du matin. Les gars, n'oubliez pas. N'oubliez pas, j'ai la botte à cul aussi à Néo-Shurien. Oh là là là, mais putain, mais c'est pas possible, Bayron, mais vous êtes fous! Vous êtes fous, les gars, vous êtes fous! Mais vous êtes des malades! Merci pour ton don, Bayron, merci encore, 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 merci! Oh là là! Pff, putain, vous me faites.
C'est quoi pour ça, je leur non, je plaisante. Merci à tous. Tu peux faire ça. J'en fais une petite danse en fontaine, mon copain. Oh putain les mecs, putain vous êtes des malades les gars, putain mais c'est quoi cette équipe cette année, c'est quoi cette communauté de dingue là. À 50 balles, je me mets à poil. T'étais déjà à poil tout à l'heure. 50 balles, je me mets à poil. Oh putain, bah lui où la LC là en fait, je suis perdu. Derrière, allô derrière. Elle est où? Elle est là, derrière la petite maison 4 coffres. Ah bah je savais même pas qu'il y avait une maison à côté. Une maison 4 coffres qui a son propre terrain de basket. Oh putain la vache, putain. Alex il se fait pas chier, hein. Celui qui habite là le gars. Oh là là, ah, je tombe à la renverse. Oh. Vous êtes des malades, putain, mais moi je sais plus ce soir quoi faire là. Je sais plus quoi faire les gars, merci, merci. Oh putain, merci à tous quoi. Merci. Mort taxi, merci Bayron, merci tout le monde. Oh, bah je vais tous vous remercier à la fin comme d'habitude. Hein. Parce que là je vais. Sinon je vais passer 3h30 à vous dire merci en fait. Merci. Ouais, je sais. Merci. Merci pour la paix. Oh, merci. Merci. Merci à tous, merci, 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 on dit merci qui ? Merci Jean-Pierre Michel. Non, merci Dédé. Ah, merci Dédé. Pourquoi vous êtes par terre, les gars, là ? On a glissé. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est ma femme qui doit envoyer le VIP, là, mais elle sait pas faire. Donc, je vous le ferai tout à l'heure. Balance le VIP, mec. Combien qu'ils sont en tant que viewers ? Là, ils sont 26. Vairon, mort taxi. Après, il y a qui a donné encore. Ouais, de toute façon, je vais avoir la liste. Je vais avoir la liste tout à l'heure. Hop. Merci, Jacques et Michel. Jacques, non, c'est Jackie, Vairon. Oh là là, mais Seb du 35, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous me faites, Seb du 35 là? Merci Seb, merci à toi, merci, 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 merci. Manette te remercie aussi. Arrêtez les gars, je vais faire une syncope là, arrêtez quoi. Ouais. Ils sont chauds ce soir, ils sont chauds. Vous êtes chauds les gars. Merci mon petit Seb, merci à toi. J'ai plus de place sur ma feuille, bordel. Putain, mais c'est une blague. Oh là là, vous allez me faire exploser, là, putain. Vous allez me faire péter, là, putain. J'ai explosé, là. Moi, je peux plus jouer dans ces conditions. Il est SF bientôt. Diablo, et pour cause, bouge-toi vite de la BK. D'accord. C'était pour rire, te presse pas. Ah bah si, Seb du 35. Bah voilà, tiens, hop. Seb du 35, c'est fait, Daniel Karimos. Merci à toi, Cari Cari. Alors, bah ma femme vous, bah voilà, ma femme elle a trouvé le truc, ça y est, elle va vous mettre tous VIP pour ceux qui ont fait des donations de fou de la soirée. Putain, elle est en train de m'engueuler les gars. Finish him. Ah bah là, finish him, ouais, là c'est. Tant que tu as de la place dans le compte. Hein? Non. C'est tu cliques dessus, tu mets non, tu peux pas. Je vais faire. Je vais le faire. Je vais le faire tout à l'heure les gars. Quand il y aura une petite pause, je vais la faire. Ouais, la soirée n'est pas finie non. Putain, je sais plus quoi faire là. Là vous m'avez perdu là les gars. Ça y est là. Là j'ai fait une syncope là. Et à mon âge, faut faire doucement les gars. À mon âge, faut faire doucement. J'ai plus 20 ans. Daniel Karimos. Alors on a Seb du 35. Putain je le fais parce que sinon je vais oublier. Seb du 35. Daniel Karimos. On a Vairon. On a Mort Taxi. Putain je vais souffrir les gars. Mort Taxa. Mortaxa ? Mortaxi, c'est. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ouais. Oh le fougé ! On ne s'est même pas vu passer. Bayron s'est fait. Ah, c'était bon.
Il s'est même pas qui c'est qui a fait faire cette com. Et bah voilà, je vous ai tous. Oh, génie. Ah, il fout des bordels. Ouais, il est marqué mort taxo. Allez, mort taxi. T8T. C'est mort taxi qui a fait la com. Ah bah ça y est. Putain, je vais faire une syncope avec vous les gars là. Pouf. Truc de dingue. Pouf. Là où j'y vais, où tu veux. Y'a quoi là? C'est mardi. T'as plus. Par contre j'ai trouvé les touches pour te bannir. Ah. C'est pas ce quoi non? On repasse à canal 2, Jeff. C'est pas easy. Mais je... Ok, mais reçu. Avec la BRF et vu que Charlie il est solo, maintenant que Doc il est solo, on va être sur canal 2. Bah oui, logique. C'est le Major qui gère. Et c'est un bon Major. Bon pour tous les Vipers, direction Altira, Alpha en tête. C'est bien pris. Prise de service du MAS à la tête. Ah, bah Dumas tu vas monter avec Charlie. Non. Du coup, on Kelvin nous. Non, non, Kelvin il va pas. Je promets pas que ça tient, je vais le faire parce que ma modératrice elle est virée. Ça aussi, le commandant on peut prendre Kevin, j'ai coupé un découvrir. Non, non. Bonjour, commandant. Gérez vos trucs, Major. Donc on change pas. On va aller vers le crash, il vient d'y avoir un crash, il y a CPA qui vient de se crasher, on va aller récupérer, là je vois un parachute. On pense sur eux, sur les du coup. Bonsoir. Alors, mon petit mort taxi, il est où les... Mort taxi. Donc, même chose, on n'oublie pas les bonnes habitudes, chacun prend une rue différente. Le point de rendez-vous pour Attira, c'est le garage. Ah, c'est vrai. Pourquoi je te trouve pas? Bah, parce que t'es déjà VIP, mon petit père. Voilà. Bah, allez, c'est bon, vous êtes tous VIP, merci, tous les donateurs. Ça y est, c'est fait, vous êtes tous VIP. Voilà, voilà où vous êtes tous VIP, merci à vous tous. Ah, mort taxi, en fait, tu es déjà VIP, étant donné que tu es aussi abonné. Voilà, forcément. Donc, je répète pour les petits nouveaux, quand vous êtes donateur et abonné, vous êtes systématiquement VIP. Hein. Voilà, c'est normal, c'est comme... je peux vous remercier, c'est normal. Après, il y a quand même des avantages pour les abonnés, ce qui est normal. Hein. Forcément, forcément. Bah oui. Logique. Logique. Bah bien sûr, ils ont l'icône Spring Fellow TV pour les abonnés. Lors des resubs, vous avez Forza Spring Fellow TV. Et au troisième resub, vous avez moi. C'est génial. La grosse tête, c'est vrai? Ouais. Je t'emmerde. Et Reste canal 2. T'es pas sûr de finir la journée, toi? Je sais pas si vous étiez là ou sur l'autre. Si, si, on est là. On a le droit à un show privé? Ah bah, Odor et Sinit, comme promis, hein. Non, du coup, là, c'est du Maz. Ah, c'est du Maz, maintenant? Oui, c'est ouais. Bon, bah, t'es obligé de te mettre tout nu, du Maz. Je sais pas s'ils ont envie de voir ça. Bah, si, mais si. Tous mes viewers sont fous de toi. Tu le sais pas encore. J'ai le corps d'un dieu, mais c'est pas le bon, c'est Bouddha.
Elle est pas mal celle-là, j'aime bien, je la garde. Alors, t'inquiète pas si je parle tout seul, mon petit Dumas, c'est normal. Je comprends bien, t'inquiète, moi aussi je la veux de ta tête en troisième mois. Ah merde. Ah, oh, tu veux la grosse tête de truc vélo. Voilà, ma grosse tête. C'est une tête de, d'un, d'une personne de, d'un certain âge. Elle est gigantesque. C'est parce qu'il y a trop de choses dedans. Exactement. Doc commence à te diriger vers Pierre Gosse. Bien pris. Pour les autres, on clean Delos et après sera direction Pierre Gosse, on rattrapera le Strider. Ouais, bah, c'est pour Charles. C'est au niveau de la charge de chef. En vert. On fonce, Major. Affirmatif, ouais, je suis pas en longue portée donc. Allez-y, on y va. De Viper, on arrive sur votre position. De quoi là? Code Nord sur sa droite. D'accord. Parce que là, depuis tout à l'heure, moi je suis en PLS. Hein. On va tous se mettre en canal. Pom, PLS quoi. Ouais, ça va. Test. Attention, Strider, on va vous déplacer dès que possible. On y va à fond ou on reste quand même en. Groupé? On reste groupé et on va voir comment ça se passe pour après se placer correctement. Ok, ça marche. Du coup, on laisse passer Alpha devant et bon. Non, 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 c'est bon, là. On va pas se prendre un petit pignon et le cul. Ouais, ça marche. Donc du coup je vais acheter aussi une nouvelle voiture, je vais mettre une cagnotte en place. Non, je plaisante. Je plaisante. Putain, ils m'ont mis en PLS les mecs. Je vais pas pouvoir jouer là. Je vous le dis tout de suite, je vais pas pouvoir jouer la communauté, la famille là. Ah, moi, il est tué là ce soir. Putain. J'y m'y attendais pas du tout. Pas trop vite pour qu'il puisse rattraper derrière mais... Donc ça se passe où là? Niveau de la chambre de sel. Ah, je sors de ça. Oh, ça pue les hommes en sable, ça, non? Bah, rien, par contre, c'est sur Calochouette. Calochouette? Ah. Bienvenue à Calochouette. Ok, pour Cervantes. Contactez-le sur la longue en ligne. T'as des petits lags aussi, toi, ou c'est moi? Non, moi là, ça va. Hein. Putain, moi j'ai des petits lags. Est-ce que ça viendrait pas la nouvelle mise à jour? Oh, merci mon Mortadix. Putain, mais dis donc, 1000 bits, merci à toi. Merci. Ah, ça fait beaucoup de bits, ça, quand même. Merci, mon petit Mortaxi, merci à toi. C'est bon, ça. Merci, putain, les gars, mais vous êtes Mortaxi. Mortaxi, t'as craqué ou quoi? Arrête, arrêtez. Tombé de ma chaise. Tombé, putain. Merci à vous, les gars. Franchement, les Vipers, merci. Regardez-vous les traces de l'hélico là. Merci mon petit loulou, merci. Vous recevez un compte ou pas, c'est bien? Allez, passez le canana s'il vous plaît, c'est bien. Ben, vous me recevez? Vous me recevez? Ah, c'est Rafi, on vous écoute. Oui, il y a un véhicule retranché dans la ville de Kalochori et il y a un TFS qui est. Près de mes hommes, Dragon 3, près de Cervantes ainsi que Johnson. J'aurais besoin que quelqu'un aille les extraire, si vous voulez. Ok, Charlie, vous y allez pour Alpha et Bravo. On va aller au niveau de la ville 2, Kalochori, là où il y a les points de pack. Ça peut vous, si possible, on met des points de pack CPA. Merci. Hein? Ok, donc posez Viper, changement d'itinéraire. C'est qui? Cervantes? On aurait besoin d'une trousse pour réparer les lignes. Ok, donc vous annulez pour les Vipers, uniquement Charlie qui va sur Cervantes. On va sur Nira. Ok, pour le restant des Vipers, on reprend la position initiale, on va à Kalochori, c'est ça? Allez, promis, Mortaxi, on va te faire ça, on va te faire ça dès qu'on a le temps. Ok, je te remercie. Donc pour tous les autres Vipers, on se met en attente au niveau de Kalochori en restant... Oh merde, oh là, ça pue ça. Désolé, j'ai cassé. Vas-y, fonce sur, c'est pas grave. Actuellement, il y a pas de véhicule dans Kalochori. Fais gaffe, c'est derrière toi. Faites attention, non, ils sont extraits en voiture noire. Ok, je les ai. Normalement, je les ai. Ok, donc pour Alpha Bravo, on suit l'L4 de Diablo. C'est parti.
C'est bien pris. Jouer des points. Ils sont en mouvement. Ils sont dans une maison. Ok, bien pris. Donc pour Alpha qui est avec moi, tu prends le temps d'ouvrir ta carte et regarder le point. On va aller entourer la zone. On est à 700 mètres. Zone rouge. C'est bon ? Ça répare où, hein ? Ok, on s'arrête. On contourne les gars dans la forêt. Ouais. Dans les qui c'est qui répare là ? La notre truc, c'est bien pris pour Alpha. On va voir après. Putain. C'est dangereux ce que vous faites, les gars, non ? Je sais, bon, là, c'est tout ce que. Là, c'est dangereux ce que vous faites, hein. Ouais, je sais, je suis désolé. C'est moi qui ai cassé. Non, mais on s'en fout qu'on casse, mais il faut toujours une trousse dans la voiture, en fait. Ah oui, mais justement, elle est partie chez le CPA, là, la trousse. Mais ils ont pas de trousse, eux ? Non, c'est. Ok, bah, c'est CPA, quoi. Un truc, c'est-à-dire ? Un truc quelque chose non identifié, hein, parce voilà, c'est ça. En fait. Un OVNI. Ah non, peut-être pas OVNI. Ok, de bravo, on a débarqué, on commence à progresser en colonne vers les points PAC, donc c'est possible d'avoir la suppression, merci. De Alpha, on a débarqué aussi en progrès. J'ai l'impression avec la stride. Ok, pour information de CPA, ils sont tous les deux dans une maison, il y en a un dans chaque maison. Kilomètre 9, trop loin. Je suis trop loin, mais un kilomètre 9. Ils ont lancé l'assaut sur le point PAC, ça, pour Alpha, vous lancez le point, l'assaut sur l'autre maison, c'est bien pris. NTFS sur zone normalement. C'est quoi le NTFS? C'est le NTW. NTW. Pensez au Red Bull. Red Bull, bam. Comprends, on vient d'arriver, info sur zone. T'as fait de la merde là. Information, on a deux personnes retranchées dans la zone rouge. Allez, on bouge. Merde, attends. Attends. On va pas rentrer dans la grande pour l'instant. Attention, je vais être emmerdé. Allez, gaz. Onarlios. Narlios, t'es mis. Faut que tu fasses une décision. Si là, on fait de la suppression sur la maison deux étages, le pack c'est au deuxième étage, près des escaliers. Reçu. Ok, bien pris sur la petite maison, vous avez des vies. N'oubliez pas, les gars, bouclier en avant. Hein. Bon, accroupi, bouclier, l'autre derrière, hein, debout. Dragon 3, on est au plus, on arrive. Oui. Ok, le max neutralisé, on investit la grande maison. Tira, on continue les tirs de couverture là. Pas ici, il veut de la couverture. Ça tire de où là? C'est sur leur position. C'est neutre dans la grande maison, neutre. Ils font du tir de couverture. Affirmatif, neutre sur ok, tu vas pouvoir t'arrêter. Ok, Alpha, vous m'extrayez le pack qui est dans le petit. Ok, c'est bien pris l'Alpha. Embarquez-les dans le Strider. Hein. Ok, vous pouvez confirmer de Viper Lead la situation ? Clear ? Situation clear, neutralisé, de Viper, on va extraire un PAX. Bien reçu, vous avez d'autres PAX CPA en visio ou pas ? Négatif, il y en a avec deux. Ok, bien reçu, terminé, d'accord. Sur le cercle vert, là où il y a un code noir à peu près. Un autre cercle, il y avait un camion. C'est bon, il est chez vous, Strider, go. Des cobras, go sur le cercle vert. Cercle rouge, plus précisément, messieurs. Il y avait un camion. Rouge. Il y a même qui peut. Ça va être vite, tu peux venir sur position. Ok, j'ai un pack à t'extraire là. Il y a ici, Snid va. Va arriver. Pas tous en même temps, les gars, s'il vous plaît. De Dragon 3, le camion est parti sur la position, c'est plus. Strider, j'arrive. Doc, on aura besoin d'une unité en soutien sur sur Nijon. Pour la paix. Bon, tirer leur GPS. GPS en priorité, les gars. GPS et téléphone à enlever sur le mien. Il a pas de radio. C'est bon, Strider, il est chez vous, vous pouvez repartir. Concours de recherche, c'est reçu. Ok. Melotti, tu vas chercher la voiture, tu me l'amènes sur moi là, je suis en train de me soigner. Retour. Dumas, il est là ou pas? Dans la voiture, non. Je suis dans, je suis ici. Du coup, le Doc
qui a besoin d'une unité en soutien. La RSN, on l'a laissé ici ou pas? Déjà là, aussi. Pour l'instant, oui, on a d'autres choses à faire. Bon, c'est Black, Black récupéré. Hein. Faut qu'on suive le Strider. Conduis, conduis. Hein. T'es prêt? C'est reçu. Pour les Viper, on passe canal 2, on reste en protection du Strider qui a des packs à l'intérieur. Terminé. On se met canal 4. Ouais. Un fil pour OK. Tu fais quel métier? Ah bah ça je peux pas te le dire. Ça je peux pas te le dire mon petit Lolo. Je suis dans les papiers. Je mets juste une saline. Stripteaseuse. Je fais des striptease dans les maisons de retraite. J'arrive. Ah là là, fallait qu'il y ait des camions, j'arrive. Je sais, flic ou garde de sécu. Je sais, flic ou garde sécu. Bah aucun des deux. Ni l'un, ni l'autre. On vous sort le deuxième ou pas? Deux et deux, bah... Oh merde! Oh c'est bien. C'était pour dire qu'on était là en fait. Vérifie aux ordres de chute, il est plus GPS, ça va. Ses affaires. Ah putain. Oh, quel dommage. On l'a perdu, elle est morte. Oh merde. Je suis triste. Quel dommage. Quel dommage, franchement. Ouais. Mais la vie ne voulait pas s'accrocher à lui. La mort ou Chichi? Ah, tu m'as... Ça va, il t'en... Ouais, ça va. Oh, dis donc, je peux voir qu'il y a la personne. J'ai du mal à prendre la vie, toi. Eh, j'ai... Ouais, t'as plus déjà galéré avec mes gosses, alors maintenant, en plus, j'ai galéré pour venir, ouais. Alors, ma petite config, tu peux la trouver dans la description de la chaîne en bas. Tu verras, il y a tout inscrit sur mon setup. Tu verras en bas, j'ai fait le listing complet sur le Stream Deck que je vais acquérir dans pas longtemps, grâce à vous. Et tu verras, je suis entré pas dans le détail. Si, je crois que je suis entré dans le détail. Tu verras tout ça dans info de la chaîne, dans mon setup.
Le mec il dit ça sans pression. J'imagine à Californie. Ah mais ah bah oui. C'est moi là ou comment ça se passe là? Alors attendez, je vais faire un petit truc les loulous. Hop. Je crois que... Ah bah voilà, d'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi... Pourquoi ça chie un peu là? J'ai encore mon Discord d'allumé. On défibre. Bougez pas monsieur, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Du coup on en a un de sauvé sur deux. La seule créature ici c'est vous êtes en PLS monsieur donc calmez-vous. Arrêtez de bouger là, ils sont en train de vous soigner. La sécu n'a pas marché monsieur. Sauvez la vie là, vous êtes là en train de la harceler. Et toi un peu. Ouais, j'ai même fait attention que ça a pixelisé. Putain, j'ai failli te tuer là. Ça c'est pas beau ça. C'est beau ça. Salut mon petit Take, merci à toi d'avoir follow la chaîne. Je t'invite à nous rejoindre sur Discord également et t'abonner également sur YouTube pour revoir les lives et les gameplays que tu as ratés au petit déjeuner. Merci à toi, bienvenue mon loulou, bisous. Tu sais que en te penchant avec un bouclier, tu sais, ta jambe elle est à découvert. Du côté opposé où tu te penches, regarde. Ah des ouf. Okay. Tu vois? Debout? Ouais, debout encore plus du coup. Ouais, debout, ouais. C'est accroupi ou rien. Ouais, voilà, là t'es bien. Et à genoux, t'es bien. Comme ça, c'est bien, non? Ouais, comme ça, c'est pas mal. Là, t'es bien protégé, mec. Comme ça. Et je vais essayer avec mon magnum. T'es prêt? De toute façon, il y a la sécurité, hein. Comme ça, par contre, t'es bien, ouais. Non, tu peux pas. Parce que là, t'es... T'as le côté gauche qui... Ouais, tu vois rien. Ah, elle est partie. Je fais le sol. Prr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 
Ah, c'est la sécu civile. Pas de stress. Il y a point à la fois, hein. J'en étais sûr que vous alliez la faire, bande de saloperies. Bah non. C'est prévisible. Un jour j'ai vu une vidéo, un mec il disait qu'il était voyant, prévoyant la vie. Super. Moi j'avais une super affaire, mais moi c'est pas. On passe par acheter en pétrole. Comment il t'a cassé en vrai? Vas-y, raconte ton histoire, Bélic. Non mais c'est trop tard, je peux en raconter. Je suis vexé. Tu fais du boudin, comme les enfants? Ouais, ça je boudin. C'est pas bien. Moi j'ai entendu on passe par acheter en pétrole alors qu'Alpha il est parti à droite. Baisse pour Bélic. Quand je dis que t'es une pupute, Alpha fait demi-tour, on peut être trompé itinéraire. C'est bien, mais désolé, c'est juste qu'il y a le prisonnier là, il parle un peu beaucoup trop. Bah, fais lui fermer sa bouche. Dis-lui qu'il garde ses dents au chaud. Bélix, si tu continues, je vais mettre un copyright sur ça. Oh, sérieux? Bah, ouais. Genre, vous avez posé un brevet et tout là. Exactement. Ah, trop bien. Ah, je m'assis. Putain! Moi j'ai posé un brevet sur ma coupe de cheveux. Ouais, t'as compris, village pitbull. Là, je viens de chier dans mon froc en fait. C'est la mienne, c'est celle de Odor Bellic, personne d'autre. Ouais, t'inquiète pas, y'a personne qui la prend, elle est dégueulasse. C'est parce que vous avez pas les mêmes goûts, chacun ses goûts. Putain, moi j'ai mis en PLS là avec vos trucs là, pfff, ça me connaît. Rond. Je suis en PLS là. Pourquoi? Bah, je suis. Ouh! Et t'es assommé d'argent? Je suis assommé de dons. C'est. Non, c'est cool, sympa. Bah, c'est super sympa, hein. Carrément. Allez, pour tous, on se rééquipe, départ dans 30 secondes. C'est vrai, c'est vrai. Dans 30 secondes, j'arriverai à peine avec le Strider. Bon, 30 secondes pour tout le monde et 1 minute pour Elias. Putain, j'ai jamais vu que t'étais blond, toi. Ouais. Oh merde. Pas de bol. On t'a pas encore viré? Non, non, ouais. Oh merde. Oh putain. Et oh, fais chier, quoi. Pour l'instant, j'ai réussi à le faire passer inaperçu. Ah ouais. Bah, tiens, prends une cagoule, là. Le message, c'est des tirs vers Pierre-Gauche. Attends, bouge pas, bah, justement, ça tiens, bien joué. Tiens, t'as prends une cagoule, là, parce que... Franchement, tu vas te faire virer. Hein. Hop. Alors, reste comme ça, hein. Surtout, monte pas ta tête. Hein. Tu vas te faire virer, hein, sinon. Allez, hop, ça c'est fait. Ça va, Bellucci? Ouais, ça va. Et vous? Ouais, je m'en fous. Oh, Bellucci, j'ai entendu ta voix. Trop bien. Alors, Redfield? C'est bien? Toujours en train de fumer le mégot? Pour Bravo, Charlie et Doc, est-ce que vous êtes prêts? Affirmative, ah, Charlie. Eh ben, direction Pierre Gosse. Hey, Mike. Oui. Non, rien. Commandant, vous voulez une blague marrante à faire? Et quoi exactement sur Pierre Gosse? Ouais, voici. Des pampans, des tirs. C'est parti. Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi, des petites remarques que moi j'ai fait sur le chat. N'hésitez pas à faire des remarques, la belle enflure et les retours. C'est ça, exactement. Alors, réduire... instant gaming, vous trouvez que mon... Qu'est-ce que moi il dit encore? Je sais plus. Le logo est trop gros. Le logo est trop gros. Lequel? Bah, ce que j'ai entendu tout à l'heure. Le logo est trop gros. Moi, on me voit pas assez. Ah, celui en bas à droite ou en haut à gauche? Ou en bas à gauche ou en haut à droite? Je sais plus ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il m'avait dit ça? C'était... Counter-terrorist win. C'était. Ah merde. Non, pas bannir. Vous voulez entendre cette bonne blague à faire ou pas, mon commandant? Ah, ouais, c'était Antico. Antico qui me disait ça. Ah, comment
Fais quoi? Est-ce que vous voulez entendre la bonne blague? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Fais là ta blague, comme ça elle est faite. Ouais. Ouais, c'est la blague de merde, quoi. Attendez, vous voulez que je vous montre? Non. Ouais, vas-y, fais-moi là. Au nord pour Douglas. C'est normal, t'as fait Douglas. Putain, mais pourquoi j'ai des lags là? Vous voulez vous arrêter, Charlie? Qu'est-ce que c'est? Ubisoft a retweeté. Ça peut nous permettre d'attendre le vieil doc. Non, ah, allez, faire un. Pourquoi j'ai micro lag? Qui ça? Monsieur Scarfield, magistrat. Oh, elle me fait chier lui. J'ai pas envie moi. Bah, est-ce que vous êtes disponible? Qui c'est qui m'a demandé? Il y a des magistrats arrêtés sur le bord de la route. Je sais pas. Moi je crois qu'il nous a fait un doigt. Hein. Attends, son message il dit. Faut savoir. J'ai vraiment entretenu avec vous, monsieur Egoïste, une ordinateur police qui est accepté par vous-même. Il est convoqué le 905, sauf que son monsieur a un casier judiciaire et une enquête à son encontre. Il vient me voir pour un blanchiment. Quel est votre point de vue dessus? Ah. Monsieur Dédé. Bon, j'arrive dès que je suis disponible, car vous comprenez. Merde, j'ai cru trop gros. J'arrive. Bon. Salut Jess, bienvenue. J'arrive un peu plus tard. On va aller voir un hummingbird qui vient de se poser là dans Pierre Gosse. Plus tard. Qui est en train de se poser tranquillement. Car merde. Car vous comprenez bien que moi, Pax, j'ai un métier. On a une focus sur nous. Ceci monsieur, faites attention, roulez bien à droite monsieur. Salut Jess, bienvenue. Et pas de soucis monsieur. Ouais, sur le mic, hein. J'essaie de focus tout à l'heure. Peut-être qu'ils ont fait un fuck. Moi, ils ont pas l'armée. Bon, pour l'instant, pour le pack, vous affolez pas, ça a l'air d'être la sécu de là, ouais, je vérifie. Ouais. Ah, c'est toi, Jesse Masson. Ah, bah, dis donc, j'ai eu du mal à te déban, toi. Hein. On en a chier. Hein. On peut dire que c'est une sacrée aventure. Hein. Ça. Vincent ? Ouais. Bah lui, il galère à payer ses amendes. Valérie, besoin d'admin, un joueur s'est fait voler son camion en zone safe. Volvo bleu 650, place, propriétaire, Richard. C'est sûr qu'elle a le deux zones. Ouais, mais tu l'as reçu quand le message ? Hein ? Bah là, à l'instant. Ah, okay. Est-ce que vous avez son nom ? Ah putain, oui, on en a chié. Hein. On peut dire que c'est une sacrée aventure qu'on a eu avec toi. Parce que les arrobas bam perm, il y en a eu un paquet. Hashtag perm, et la personne se reconnaîtra sur le live. Ah merde, désolé. Salut Mahmoud, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux aussi t'abonner sur YouTube pour voir les gameplays et les lives que tu as ratés et nous rejoindre sur Discord. Deux jours, on a déjà chopé deux fois.
Ouais, désolé, j'ai fait une mauvaise manip. Bon, bah, question se posera plus bientôt, j'aurai le stream deck, donc il n'y aura plus d'erreur de d'image. De Charlie, on vous laisse passer devant lui, quoi. Comment on prend l'appel Oi? Ah, bon, bah ils prennent, je pense. Bah, nous aussi on prend. On y va tous. Génial. Bon, bah le magistrat m'attend dans son transat. Je lui ai fait comprendre que j'avais un métier. Je vais me faire payer très cher les amendes. T'as pas de bol, toi. Soit il faut que t'arrêtes de jouer rebelle, soit il faut que tu ramasses des pêches. Après, on a joué rebelle. Ouais, s'il faut dire. Tu dis Vincent ? Tes hommes d'être gentil et ne pas faire payer. Tu as les amendes. Ouais, Jesse Vincent. Et de Focus nous suivent encore. Moi de Viper, on va prendre la descente. Ouais, je... Envoyer un message à la DC comme ça. J'ai des micro-lags là, c'est pas normal. Non, c'est bon, laissez, je le connais celui-là, je vais le contacter. Je m'en occupe de la DC. C'est Philippe. Ouais, c'est Fifi. Il l'a eu à un moment donné dans les Marshalls. Bah si, on l'a eu. Vous l'avez viré pourquoi? C'est lui qui est parti. Ah, ok. Parce que du coup, chez les Marshalls, on demande à peu près pareil que dans la police, genre 20h, tout ça. Et il est pas fan de tout ça. Bon ben, on atteint bientôt les 260 followers, ouais. Ou bientôt même atteindre les 300 followers. Franchement, ça fait super plaisir, les gars. Merci à tous, merci à tous. Faites comme Mahmoud, followez la chaîne. Followez la chaîne pour qu'on atteigne la barre des 300 followers. Ouais. Et ça, c'est quoi, magique. Merci à tous, merci. Franchement, t'as bien forme. Putain, en deux jours. Ouais, on va vérifier si tu duplies, Vincent. Non, je déconne. Je plaisante. Du coup, on prend la haine, je suppose. C'est en attente, ils discutaient comment. Je comprends plus rien là. Il se passe quoi? Bah, on voulait prendre la. Non, mais je m'en fous en fait. Bon, bah, ok. Non, non, on attend. En fait, quoi, on attend quoi là? Je comprends pas là. On prend la oil, la Cobra a dit on prend la oil. Il y a eu un convoi d'essai, on a dit on prend DC. Et puis Cobra est parti sur DC. Ah, c'est sympa de Cobra. C'est sympa. Ils sont quel canal eux? Je sais pas. 3 Cobra de Lead Viper. Ok. Cobra de Lead Viper. Ils sont loin. Nord, un véhicule qui bloque le sud. Si un jour tu m'attrapes, sois gentil. Si Lily va besoin de revenir. Eh ben écoute, généralement on fait des promotions entre 3h du matin et 4h du matin. On fait des promotions, on fait moins 50%. Mais que pendant une heure. Ouais, j'ai des micros là. Pour tous, on abandonne la DC, on a déjà les Cobras qui sont avec eux, on va aller sécuriser la oil. Désolé les gars. Fous de ma gueule ou quoi là? C'est une blague ou comment ça se passe? Non. Mais qu'est-ce qu'ils foutent Cobra là? Ils disent qu'ils prennent la oil et ils sont sur la DC et non, ainsi de suite. Focus noir, les deux Focus noirs sont sur le Strider. Ok, t'es où? On arrive sur toi Strider. Allez, on va intercepter les guignols là. Ouais, ils se sont barrés direct. Et t'en fais quoi sur Strider là? Bah là ils sont en off-road et ils me suivent depuis une demi-heure donc. Bah là on est en contrôle off-road là. Là, deuxième vous avez là? Négatif. Ok, contrôlez celle-ci, nous retournons autour des fois que le. Monsieur, bonjour. Des fois vous voulez
Et je peux savoir ce que vous faites en milieu d'un champ de patates là privé là? Bah en fait si vous voulez regardez, je suis médecin apprenti là, médecin sans frontières. Ouais. Et en fait. Eh bah si tu veux la frontière, elle est là-bas la frontière. Donc tu prends tes clics, tes claques, ta bagnole, tu montes dedans et t'y vas. Sinon moi je fouille ton sac, je fouille ta bagnole et forcément je vais trouver quelque chose d'illégal dedans. Et je crois même que déjà, hop, je vais mettre un petit chargeur, voilà c'est illégal. Monsieur, vous êtes en état de l'arrestation pour chargeur illégal dans votre voiture. C'est pas possible, parce que l'arme sur moi, elle est légale. Vous avez... Alors, qu'est-ce que vous faites sur un champ privé là? Mais je... Vous m'avez... Mais bégayer, c'est se tromper, c'est mentir. Il est bon, il est... Et rigolo, rigoler, c'est se foutre de moi. Et ça, ça non, me plaît pas. Du tout, du tout. Je vous traite avec énormément de respect, monsieur. Bon, médecin sans frontières, écoute-moi bien, médecin sans frontières. Ici, on n'a pas besoin de colis, on n'a pas besoin de médicaments, on n'a pas besoin de bouffer, on n'a pas besoin de boire, on n'a pas besoin de rire, on n'a pas besoin de faire des blagues, on n'a pas besoin de avoir un petit poisson rouge dans un bocal, on n'a pas besoin d'avoir un chat en laisse qui se promène dehors dans sa cour, on n'a pas besoin d'un chien qui fait pipi caca partout. D'accord. T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris. Vas-y, maintenant raconte-moi ce que t'as à dire. Bah, je voulais prêter assistance si jamais il y avait quelqu'un qui se sentait pas bien. Parce que je voulais mettre mes connaissances au service de la police. C'est quoi ton petit nom? Rina, Lilian Rina. Écoute-moi, Rihanna. Non, Rina, si... Rina. Rihanna, pour moi ce sera Rihanna. Ouais, mais Rihanna elle est bonne, moi je suis tout sec. Tiens, chante-moi une chanson. Ah, vous êtes. Merde, désolé. Chante-moi une chanson. Oui, chante-moi une chanson. Eh ben... 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sur écoute, on repart de vers. Ok, bien pris. Ce matin, sur, un scorpion monsieur là, a tué un poulet. Ok, bien pris, on vous laisse finir. D'accord, donc t'es en train de me dire que t'es un putain de rebelle. T'es un putain de rebelle. T'es un putain de rebelle! Tu viens de dire que je suis un scorpion et je veux tuer un poulet! Mais non, c'était la chanson! Oh, regarde derrière toi! Regarde! Oh, allez, on se casse! Bonne journée, monsieur, vous êtes très marrant! Merci, je sais! Yep, mon skill T-Sivers, comment ça va? De Charlie, on arrive, même d'accord! Est-ce que le hall est déjà arrivé? Première vue négative. Ok, donc vous mettez en position. Doc, tu iras au niveau du port. Ah si, comme bien. Les autres véhicules, vous sécurisez. Oh là là. Alors faut faire n'importe quoi en fait. C'était Rihanna au milieu d'un champ de patates. Voilà, on a croisé Rihanna au milieu d'un champ de patates. Un lapin. C'est ça, c'est génial. J'adore. Moi je vais vous laisser, je vais me coucher, je galère même ça. Bon, tu galères en quoi mon petit Mikey, t'as pas dormi de la nuit ou quoi? Charlie, je te laisse te mettre là où tu veux. Si tu veux même aller discuter avec les vendeurs, y'a pas de soucis. Bon, est-ce qu'on va se diviser en deux avec le général du coup ou pas? Tu viens d'arriver? Bah il est général, il fait ce qu'il veut. Le général actuellement est en train de parler avec le ministre, etc. Il fait un barbecue. Ah. Génial. Voilà. C'est normal qu'il tape la sécurité civile. Oh peut-être. Ah si. Du coup on s'est mis en blocage sur la route, du coup on va peut-être parler au vendeur je pense, non? Ouais, n'hésitez pas à aller parler, apparemment la hall cet après-midi ils ont donné 1 million pour une escorte. Ah bah on y va. Ouais je savais que je parlais de pognon mon commandant, y'a du monde. Le pognon d'abord. Le pognon c'est bon. Le pognon c'est la vie. Le pognon c'est bon pour Springfield. Ah ça rime un peu ça non? Pour Springfield. Chat. Parlons pognon, c'est quand on paye? Demain. Alors, et pour ceux qui ont eu un retard d'un mois? Demain. Cool. Ou pas. J'ai regardé ou pas. Alors, il a arrêté. Bien pris. Alpha pour Vélis. Sur écoute. Pourquoi Snig il est tout en bas de nuit? C'est normal, c'est normal. D'accord, c'est bien. C'est Snid. C'est un magicien. Non mais il est pour rien le magicien, moi je vous le dis.
C'est juste que je sais pas quoi faire. Donc voilà, demain je vais me lever à 5h, donc je vais dormir. Ah bah d'accord, bah bonne nuit mon petit Mike. Vivement jeudi alors. Merci Bob, merci, bon live à toi. Merci, 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 merci. Merci de tout Mike. Bah Hyper, vous me recevez? Affirmatif. On vous laisse gérer le convoi. Nous on part en bas. Ouais, pas de soucis, merci les gars. Ils sont beaux quand même dans les airs, c'est bien. Je suis sûr. C'est sûr que c'est pas à toi que je veux dire que t'es beau, hein. De 1 t'es recrue et de 2 t'es moche. T'es recrue aussi, je crois, non? J'étais noir. Bah oui, mais c'est ça. Oui, mais pour une recrue, ça sert à rien de parler à une recrue. Bah pour une recrue, ça sert à rien de parler tout court, visiblement. Parce que si vous dites des trucs comme ça dans la com. Ça chute. C'est vexé là, non? Il est vexé là, hein? Il est vexé, non? Tu m'entends pas? Non, lui, à la radio. C'est vexé, je crois. Moi, je ne rigolerai plus. Pierre! Ouh! Pierre! Ça se voit que t'es une pierre, hein. T'es resté en bas. C'est qui a parlé là, à la radio? Je sais pas. Oh. Oh bah ça va être marrant, tiens. Comment ça? Ça va être sympa, ça va être gay, hein. C'est comme ça que mon bouclier, je vous fuis. Demandez pas ce que je protège, j'en sais rien. J'ai suivi les camions, je les ramène direct à leur camion. Ensuite, le char est bien pris. Du coup, mon commandant, je vous laisse gérer les public relations. Les quoi? Public relations. Ouais, mon ami. Ah, yeah. You're nice. Ah, il pense à manger. J'ai des dimers, je fais la baisse, je vous attends. Ensuite, on termine le contrat oil. Reçu, prends plein de sous sur toi. Ah oui, t'inquiète pas pour moi. Pour moi, hein? Non, pour nous. Ah oui, ça. Ah oui, c'est vrai qu'on est plusieurs. Du coup, Charlie, après le convoi, vous laisserez un de vos personnels pour former un binôme avec le général. Bonjour les frères, comment ça va? Alors? Quoi de neuf? Ah, c'est pas bien. La moitié de 18? Quoi de neuf? Une possibilité qu'on puisse nous ramener à la plage ou pas? Bah ça dépend, t'as le barbecue, t'as les serviettes, t'as les gonzesses. Ah mais si tu veux j'ai la saucisse. Oui, montez dans le trader. Ah ça c'est marrant ça. Le véhicule noir qui approche vers vous. Ça c'est marrant. Non l'intercepte pas s'il fait que passer. Voilà, il n'y va pas au vendeur, c'est tout. Oula. Ah ouais, il y en a beaucoup là-dedans. T'as joué. J'entends, j'en vends. Station de service? Pourquoi j'ai une station de service là? Normal, on est un truc de pétrole, c'est comme le minimum. Attends, il y a des jerrycans à 850, il y a des pioches. J'ai jamais fait gaffe. Tu peux enlever tes JVN, ça? Hop là. Ah, mais là, je vois plus rien, mec. Pour tous, le VN noir, c'est un sécurité de la rue. Salut, toi. Oh putain, bandana et tout. Je t'ai déjà dit, cache ta tête. Tu vas être viré, hein. Si t'es viré, faudra pas venir pleurer, hein. Je fais une teinture pour, juste pour vous. Donc une fois que c'est fini, direction BA. Halt! Qui va là? Mot de passe! La blanquette de veau est bonne! Répète! La blanquette de veau est bonne! Putain, on leur fait faire n'importe quoi, quand même. La blanquette de veau est bonne, hein, si... Ouais. Ça me fait bizarre de pas le voir rebelle aujourd'hui. Là, c'est... Ouais, mais Oh merde! Oh merde! Oh merde! Attends! Aïe! 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 Je peux pas dire merci! Attends! Bon! Ah, nous
Merci Alizio, merci d'avoir follow la chaîne, bienvenue, tu peux aussi t'abonner sur YouTube pour revoir les vidéos et les gameplays que tu as ratés ou que tu veux revoir par plein simple plaisir. Et tu peux aussi nous rejoindre sur Discord si tu as envie, tout est dans la description. Merci Mololou et bienvenue à toi dans la famille. Coucou. Alors, c'est qui le patron? Eh hey, le pognon c'est pour moi. Ouais en fait si, j'ai arrêté. t'as mon GPS Michel? GPS. Ah t'es vraiment pas une bonne boniche. J'ai un téléphone, t'as un téléphone? Attends je t'ai fait une petite liste de courses après. Ouais mais la liste de courses on me l'a noté moi. Et puis je t'ai fait un petit cœur en plus derrière. T'es pas rebelle aujourd'hui? Comment? T'es pas rebelle aujourd'hui? Ah non j'ai jamais été rebelle. Ah merde. Bah c'est pas toi Jean-Michel? Ah non, moi c'est Mickaël. Ah, Jean-Michel, excuse-moi. Alors nous avons les frères Roy. Les rois du monde. Vous savez pas lire ou quoi là? Bah non, je sais pas lire, je vais ta pièce d'identité. Ah mais je vous entends, ah, c'est mal, moi je pas comment en parler, elle est trop long. D'après le béret, je crois que t'es en train de créer sur un regardé. Non. Oui, non, je suis recrue. Ah ouais, moi, ouais. Je d'ailleurs, je te recrute. Merci. De rien. Il aurait cru qu'il recrute. Prête allégeance, mon fils. Prête allégeance. Vous êtes vraiment bavard et ça fait plaisir. Y'a nous? Non, là par contre. Bah, prête allégeance, merde. Enfin, putain, c'est. Il procure plusieurs services, hein. Voilà, monsieur. Quand on prend allégeance, on prend l'épée à pleine main. Ah ouais. Ouais. Et on me susurre des mots doux. Et on me susurre des mots doux. Vous connaissez Excalibur ou pas dans son caillou? Je suis le bras droit de la justice. Il y a une personne à l'œil qui s'est pris 19 mecs. Ok, je suis de retour. On est content. Merci. 19 quoi? 19 mecs. 19 personnes. Ouais, non, 19 gars. Oh, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos, moi. Ah oh non. Ah non, c'est une personne qui travaille en tant qu'ouvrier. Ah, même pas mec. Non. Ah, là, je pense que ça va être répété à mon PDG. Hein. C'est... Comment il s'appelle le PDG déjà? Il y a Parov Kovenko et Mike. Mike. D'accord. Vas-y, répète. Mike. Mike, you ouais. Mike. Mike, le PDG de la rue d'entreprise. Bah, d'accord. Mike, you. Vas-y, presque, t'y es presque. Vas-y, t'y es presque. Vas-y, you. Non, presque. Ouga, ouga, ouga. Tu lui diras qu'il se brossait les dents le matin parce qu'il pue un peu de la gueule en fait. Pokémon, ça, Lugia. Je dirais sûrement quand je veux. Tu lui diras de la recrue Odor. La recrue Odor? Ouais. Odor. T'as compris le jeu de mots ou pas? Odor, brossage de dents, Odor. Ah, ouais. Avec une mauvaise odeur. Ouais, non, mais il a pas compris en fait. Il vient de la sécurité, lui. Hein. Ah, mais ça, c'est parce que vous êtes beaucoup trop marrant. Sur la tête pour que je puisse récupérer ton argent dans le sac. Pas de problème, t'inquiète. Mon portefeuille, il est là. Ah, je te braque aussi. Bon, on est bon, messieurs. Merci. Bah écoutez, félicitations. Merci, bonne journée. Merci. À vous aussi. Merci pour votre sécurité. Bah, c'est normal. Attends, on va voler les camions quand même. Qui ça? Le pognon. On n'a pas eu de pognon, là? Je sais pas. On l'embarque ou pas, celui qui a l'argent ou pas? Ouais. Salut petit Miro, merci de ton follow, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite aussi sur Discord pour nous rejoindre et sur YouTube pour revoir les lives et les gameplays que tu as ratés. Merci et bienvenue mon petit loulou. Retour BA pour récupérer le général. Snit qui sort au seul moment où il n'y a pas besoin de sortir. J'ai pas besoin de rejoindre la caisse. Bah tu tends ton bras en fait. C'est simple mon petit Jess. Il est perdu dans... Exactement mon petit Vailleron, ça s'appelle du metagaming. Il y a gros soucis aussi le Ranger là.
Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous aiguiller dans vos idées RP, en fait. C'est mon rôle d'administrateur. Si vous avez des questions sur du RP, la chaîne, elle est faite pour ça aussi, lorsque je live sur Arma 3. Et c'est que vous... si vous avez des questions ou des idées, ou si vous voulez que je vous aiguille sur le RP, il n'y a pas de souci, quoi. Mais in-game, je peux te passer M2 sur ton stream. Level 2. Hein? Ah ouais, tu viens de passer le level 2 sur, sur ton stream. Bah oui. J'ai pas compris. Ah non, mais... Bah oui, ah oui, j'y étais pas, ma connerie de tout à l'heure. J'ai jamais pensé à faire ça, tiens. Ouais, je suis là pour vous aider, bien sûr. Tu... Alors c'est CTRL-G, je crois, le coup de poing. Ouais, bah j'en sors tellement des conneries que je sais plus. Peut-être que vous êtes apte à être autre chose que recruter. Oui, c'est moi, merci. Ah bah, bonjour messieurs. Alors vous avez arrêté de boire quand vous? Putain, on a toujours pas chopé encore un seul point. Il manque whisky là, je crois. J'ai la sauvageur. J'ai, vas-y, bah devant les voitures. Alors, devant le général. Geek. Tout à fait, Jess, je suis là pour vous aider, vous orienter dans le RP. Tout à fait. Ah, c'est moi, général. Ok, super. Je vois l'ambiance, magistrat Bénic. Gaëtan ? Oui, quoi ? C'est l'avocat ? Ah, c'est l'avocat. Comment ça va ? Ouais, mais attends deux secondes, je t'amène. Passer les bonnes vacances ? C'est qui, lui, là ? Oh, c'est monstre. C'est qui le SDF là? C'est un avocat. Ah, ça c'est un avocat ça? D'accord. C'est un avocat. Bah, on est pas sur le casier. Ouais, faudra que tu me dises c'est quoi son casier là? Casier, je te dis ça maintenant. Non, pas devant tout le monde ça. Tu m'as manqué. Hein? Bah, en fait, il y a les essais sur le j'entends pas. Bah pour tous les Vipers, vous dégagez, vous reculez, on va partir en patrouille. Ouais, cassez-vous, bordel. Ok, c'est bien reçu. De quoi? Ah bah moi aussi. Bah moi aussi ça me dérange dans ce cas-là. C'est quoi son truc alors? Il a une enquête pour que je vous la dise à l'oral maintenant. Non, non, plus tard, plus tard. Bah c'est une enquête qui a été faite par Jeff. Pour ça a été fait par un traître à la nation. Ça a été fait par. Je crois qu'il est encore dans la sienne. Enfin, pour tous les Vipers, on sort de la paire, on fait le convoi et on part. C'était le chinois. Chang. Du coup, de Charlie, on fait quoi? On attend le commandant ou on part sans lui? Négatif, je pense qu'il veut pas venir, le commandant. Non, allez-y, les gars, je vous écoute à la radio. Et n'oubliez pas. N'oubliez rien. Vous êtes des killers, vous êtes Viper. Ouais. Oui. De quoi? Ah, je suis sur. Moi, c'est ma chaise. Ah, ouais, c'est ta chaise. Bon, le major, il se lève un petit peu là. C'est le gros bonnet ici. On fait quoi? Toi, laisse le magistrat s'asseoir. J'accepte sa demande de blanchiment et tu continues à. Non, le but, c'est pas de le. C'est quoi? Alors, moi je vais être très clair. C'est le jeu des chaises, non? Bref, on était où moi? Je vais changer de radio, c'est insupportable. Je vais être très clair. Si ce monsieur là il a une enquête sur lui. Ah oui, moi j'en veux pas. Hein. Ah bah moi j'en veux pas hein, s'il a une enquête. Mais c'est quoi l'enquête là? Parce que vous me parlez d'enquête là, mais moi j'en ai fait tellement des enquêtes. S'il y a une enquête sur lui, c'est pas la peine. C'est quoi son enquête? C'est quoi votre enquête? Apparemment il était bandit, il faisait du rebelle, il avouait faire du LSD et faire travailler des gens. Oui, non, enfin, peut-être. Un mec comme ça. Non, c'est pas un criminel, là, monsieur. Juste derrière. Non, mais je sais, mais déjà, MDR... Mais MDR quoi? Je sais pas combien de temps que je travaille en tant qu'addict et je donne un nombre d'infos incalculable. Bah oui, bah, c'est pour ça que je comprends pas. En fait, viens, fiston, viens, fiston, tu vas m'expliquer de vive voix. Viens, fiston. Ouais. Et rentre dans le cercle. Rentre dans le cercle et présente-toi. Présente-toi, présente-toi. Bon, déjà, je m'appelle Hugoïste. Hein, je pense que vous bonjour, Hugoïste. Bonjour.
Bonjour. Hugo. On sera à la réunion des accueils canonimes. Parle pas trop fort parce que tu dis à tout le monde que t'es un dick, mais ça se dit pas ça. C'est pas qui y a autour de nous. Ah la balance. Oh. Ouais, vas-y, continue. Du coup. Oui. Serge, j'ai eu des erreurs de parcours, je vous l'accorde, notamment l'outrage sur agent, mais par contre, ce qui est de l'enquête, vraiment, je sais vraiment pas pourquoi, parce que ça fait un bon petit moment que j'essaye de m'efforcer. J'arrive pas à l'ouvrir. Ouvre-moi ça, Jeff. De rentrer dans les rangs et d'essayer d'aider la police comme je peux. D'ailleurs, c'est quoi ton boulot aujourd'hui? J'ai donné tous les points et. C'est quoi ton boulot aujourd'hui? Il a fait une candidature pour devenir avocat il y a pas très longtemps, ce que je l'avais refusé au vu de son casier, en l'occurrence. Vas-y, lis-moi l'enquête là. Enquête. Et surtout la date de l'enquête. La date de l'enquête remonte le 26 mars. Oh, Jeff, ta gueule, c'est magistrat, c'est bon. C'est le 26 mars. Ah, il m'entend pas ou je le. Bah, il faut que tu le tâtonnes, je crois. Négatif, j'entends. Je me trompe, je le corrige. Ah, vas-y. Bah, si, je sais lire. Ah, oui, alors, lisez. Lisez, magistrat. Qui c'est qui a traité ça? Gaëtan et du coup le chinois. Ouais, mais le chinois il s'est barré. Ouais. Et c'était pour? Ah oui, c'est là qu'on t'a recruté en tant que cadic. Normalement. Bah, c'est même sûr. Et c'est toi qui. J'ai avoué ça. J'ai jamais avoué ça. Pourtant, c'est ce qui est noté, il y a des photos. Quoi? Tout. En fait, vous êtes fait berner. En fait, il y avait des échanges téléphoniques, sauf que c'était des membres, pas des clients de l'autre côté. Ah non, je suis pas du tout magistrat, Jess. Pas du tout. Jamais eu aucun client. C'est pas ce que disent les messages. J'ai jamais vendu de LSD à des gens. Non, je parle pas de. Je parle de faire travailler des gens, pas de. Pratique, tu vas mettre son mission, je peux juste faire ce qu'il faut pour lui. Ah, c'est bon, je vois quelle enquête c'est. Y a pas un deuxième nom avec? Y a un numéro de téléphone. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est Chang qui avait fait ça. Ouais, c'est bon, je vois. C'est bon. Bon, du coup, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait pour le monsieur? Et c'est une enquête qui n'a jamais été clôturée. Non. Exact. Voilà, donc c'est une enquête que j'ai demandé à Chang de fermer parce que les renseignements n'étaient pas bons. En fait, ces gens ne vendaient pas de... Merde, je peux pas vous montrer les doigts. Ces gens ne vendaient pas du LSD, en fait. Ils étaient effectivement rebelles, les a chopés avec des armes, il me semble. Et c'est là qu'on t'a pris en tant qu'un geek, c'est ça? C'était au niveau de la DC. C'est ça? Ouais, donc en fait, ouais, c'est ça. Donc Chang aurait dû fermer cette enquête, mais il l'a pas fermée. Ouais. Qui était ministre de la Justice à l'époque. Parce que, oui, tout à fait, parce que, en fait, avant d'être indiqué, on avait déjà livré plus d'un camion et d'une personne ouais, de malfrat, donc c'est pour bon ça. Bon ben, histoire réglée. Super. Eh ben du coup, on fait ça demande de trucs voilà. Normal. Et du coup, donc, à clôturer, ouais, c'est Chang qui avait fait la merde. Je m'en souviens mal. Parce que moi je regarde, j'avais vu le monsieur ici. Vous êtes qui, madame? Un chinois? Il est parti pêcher. Il est parti à la pêche. Hop, Bonjour madame. Du coup, il m'avait parlé hier soir, j'avais regardé un petit peu. Vous êtes avocate aussi, vous? Ça m'avait perturbé, quoi. Moi? Ouais. C'est un magistrat. Je suis magistrate. Ah, vous êtes magistrate. Ah, ça fait un moment. oui. D'accord. C'est la femme de la réponse supportable. Vous savez que j'organise des soirées avec les magistrats et les avocats. Oh putain. Bon. Bah ouais, mais du coup, on n'y a pas eu droit. Hein, non, mais bientôt. Dès que j'ai fini d'organiser tout ça. Donc, ok, bon, bah Hugo, comme prévu, tu viendras jeudi soir. Affirmatif. Donc, le problème est réglé, oui. Je veux revoir ma magistrate. Magistrat, non, mais attendez, hey, monsieur le ministre, je peux parler ou vous me coupez la parole tout de suite? Vas-y. Vous savez, monsieur le ministre, quand j'organise des soirées avec vos confrères, magistrats et avocats, ce n'est pas forcément pour les égorger, leur faire chier les dents et... Bah on ira, c'est juste pour créer des liens en fait. Bah ouais, boire un coup après le boulot, tout ça, boire des culs. Non, parce que nous sommes amenés à travailler toujours ensemble, vaut mieux que ça se passe dans la bonne entente, et surtout dans mon sens, vous voyez ce que je veux dire.
Bien sûr. Par contre, on va changer de sujet. Ouais, alors changeons faut... justement. Vas-y. Allez-y, général. T'as combien de personnes pour jeudi là en Viper? Moi j'ai complété Viper. Ah, t'en as 4? En tout? Non, t'en as pris plus du coup. Ah bah oui, moi j'ai complété mon Viper, moi. T'as mon feu vert. Tu vas toutes les prendre. Ah oui, oui. Pour l'avocat, il est où? T'inquiète. Comme j'ai marqué sur le message, ayez confiance. Ayez confiance. Non, non, ayez confiance en moi, général. Ouais. Ayez confiance. Ouais, la oil est ouverte, donc je vais leur mettre directement la oil. Et puis je discuterai avec les gars là-bas. Parfait. Ça va être leur intérêt. Regardez, Viper aujourd'hui est une unité d'élite. Trois interventions, aucun mort. Par regarde contre, la tranche de moi... cette unité là, la radio, je suis arrivé tout à l'heure, j'avais déjà envie de les taper. Donc... J'ai vu avec Gilles derrière. S'il y a des entreprises qui, comment dire, qui plantent des gars qu'on recherche pour faute fiscale et tout ce qui va avec, je préviens d'avance, on paralyse complètement l'entreprise. Ah bon, on ferme la rue tout de suite alors. Hein? Parce qu'elle est, est potentiellement en train de cacher le mec qui s'est barré de la DC avec les thunes. Bah oui. Bon, bah, moi je vous propose des toasts. Vous avez combien d'unités prêtes là? Bah tous. On va faire un petit tour. Mais si jamais malheureusement il n'est pas là, Non, on va le faire un tour. Ça s'appelle détourner l'attention. Démarre de quoi? Comment je vais démontrer un petit peu que la police n'est pas là pour vous, que vous n'êtes pas là pour glander, et que vous êtes bien actif, comment dire, vous êtes des agents. Bien sûr. Bien montré. On mettait en cause notre travail là quand même. Non, je te remettrai jamais en cause ton travail personnel. Non. Merde. C'est toujours encore Monsieur Kovenko, directeur de. Ça oui, toujours. Ouais. Avec Monsieur Yuga. Alors lui, on va se le faire. C'est parti. On y va? On vous accompagne. Je vous ai fait changer d'avis en un seul mot. Par contre, on t'accompagne. C'est un collègue, j'ai vu la LCO l'autre jour. Il m'a dit que son casque de moto était volé par des rebelles, je cite. Bon, ils avaient quelque chose à foutre. Kelly, on les accompagne, comme on a plus de véhicule. Donc on sera sous votre protection. La mienne ou la sienne? Ben, je m'en fiche, comme vous voulez. Ah oui. C'est la mienne, c'est la tienne. Hein, du coup, je leur donne à tous les Sierra de faire un RTB. Hein. On va aller faire un petit coucou. Viper de. Viper Lee. Pas de longue, donc je te merde. Ah, j'ai pas de longue. Prête-moi ta bagnole. Hein. Ah putain. Viper de Viper Lee. Viper de Viper Lead. RTBA Rapidos. Pour Viper. Les deux, on va faire les deux. On va en profiter. La LC et la Diamond Company, bah, ils marchent très bien, c'est nickel. Par contre, les deux autres à l'est, là, ça sent le rebelle. Hein. Ça pue le rebelle? Ah ouais. Alors. Dédé, ouais. Va chercher. Bah attends, y a pas de rebelle, Putain, mais il nous a pas l'info par notion dans Sierra, c'est terrible. Hein. Qui ça? La longue. Ouais. Personnellement, je leur ai dit quoi qu'il arrive, même Dédé, je préfère toujours l'appeler Dédé dans tous les cas. Hein. Ouais, je sais. Un anonymat à confirmer. Bien sûr. Bonjour messieurs. Salut ta fiole. Bonjour mon général. Putain, de points sur carte. Pardon? Vos points sur carte. Ah oui, là. Je vous l'ai dit. Putain, les gars, il y a du laisser aller depuis que je suis parti ou quoi? Et là, je reviens, mais non, il y a plus personne sur carte. Putain, il y a du laisser aller. Il y a du laisser aller. Putain, il y a du laisser aller. Putain, mais il m'écoute pas en plus. Vous avez vu? Allo? Allo? Oui, des véhicules, messieurs, on va partir pour un. M'entendez? Oui, Legend, ah non, mais je vois que vous en avez plus rien à foutre, ok, d'accord. Ça se voit que je suis parti de votre unité. Hein. Plus de respect, y'a plus rien. N'oubliez pas que c'est provisoire, hein, je risque de revenir. Toujours dans notre cœur. Ouais, dans vos cœurs. Tu la vois celle-là? Oui, voilà.
pris une taille de gant, il me semble. Effectivement, la police te met ça clairement dans la merde, donc énorme amende. J'ai le droit de retrouver et l'abattre. Bien sûr, ensuite. Ouais, c'est... Sur sa GoPro, quoi, quel GoPro, y a pas de GoPro ici. Vous en pensez, madame? Les gars, sortez-moi vos véhicules. Est-ce que vous aimez tout ce qui est Chip and Dale, c'est danseur? Allez, moi, salut. À moi. Eh ben, allez, elle répond pas, elle fait la gueule. Quelqu'un qui vient avec moi. Tu m'entends? Ah, je crois que je vais. Ah, oui. Est-ce que vous aimez tout ce qui est Chip and Dale, c'est danseur musclé? Ouais. Momo, je n'ai jamais assisté à ce genre de spectacle. Ah, bah voilà, bah, je vous le présente. Je vous présente. On l'appelle Popo. Je suis passé le premier soir. Mais... Et il était Chip and Dale, ça va, on est au chouri dans la boîte à cul. Kelly? Oui. Tu montes avec. Voilà. Avec qui? Ah merde, je vais chercher ma voiture civile. Putain, mais ils font quoi, Viper, là? Putain de merde, c'est quoi ça? Putain, filme alors. Putain. Ils sont où? Ah, sympa. Merde, je vais tirer. Avec toi, Kelly, ou pas? Donc, je monte avec Jackson, moi. Ouais, je sais pas, il m'a viré. Tu veux monter avec nous, Jackson? Bah, il vient avec nous. Il l'a dit. Non, mais je sais jamais s'il va Cobra ou Viper en fait. De toute façon, moi, il faut que je monte dans un véhicule où vous pouvez me zing. Te? Bah, vous pouvez me zing. En cas de problème. Ah, tu peux monter dans la mienne, j'ai un coffre. Bah, quoi? J'aime bien me voir comme ça en coffre. Bah, si ça tire et ça tire et tu te mets dans le coffre, personne ne te verra. Ouais, pas faux, ouais. Bah, oui. Oh là là. Quelle histoire. Quelle histoire d'amour. Bah, je suis encore dans ma phase d'observation là avec Viper, là, parce que. Ça se passe bien ou. Bah, disons que quand je vais taper dans la mule, ça va faire mal, quoi. Et je vais tomber dans la mule jeudi, donc. Là, je laisse jusqu'à jeudi, j'observe comment ça se passe. Mmh. Et après. PAF! Je coupe. Bon, salut, Viper! Est-ce que vous recevez, Viper? Viper? Putain, vous faites quoi? Vous avez un carton d'invitation pour venir à la BA ou comment ça se passe là? Putain, c'est long, les gars! J'ai 2 secondes pour prendre les médocs ou pas? Ouais, vas-y. Vu à la vitesse où ils vont, t'as le temps. Ils sont pas mal ces sacs à dos là, j'aime bien. Douglas, t'en es où là? Non, t'aimes pas? Qu'est-ce que tu me piques là? Salut commissaire Pierre, merci d'avoir follow la chaîne, bienvenue dans la famille. Je t'invite également à nous rejoindre sur Discord et t'abonner sur YouTube pour revoir les gameplays, les lives que tu as ratés. Merci à toi, bienvenue mon loulou. Qu'est-ce que tu m'as piqué? J'ai pas confiance en toi. Ok, on vous attend les gars, vous êtes mais vous cassez pas, on nous attend. C'est long. Attends, je regarde, faut que je voir qu'il est. J'ai vu que c'était loin et ouais, comme ça je prends plus de risques. Bon, allez. On se casse parce que. Demain... Moi j'ai pas de trousse, hein. Oh putain, t'as vu tout ce que t'as là-dedans là? Jackson? Okay. Jackson? Non! Pourquoi tu veux qu'on le nique? Bah oui. Ah non, mais ils arrivent, c'est bon. Allez, vous me faites un convoi Strider au milieu, 2 véhicules devant, 2 véhicules derrière. On embarque le ministre et le général. Et maniez-vous le cul, putain. Mission, visite patron d'entreprise, LC et... Non, LCO et Oil. On va essayer de récupérer la caisse noire. Les rebelles qui s'y cachent.
Donc maximum de sécurité, position, attitude, défense, repli. On appelle ça un DPIF. C'est bien reçu. Un DPIF, c'est direction point itinéraire. Ta gueule. Moi, je fais ce que je veux. C'est reçu. Je monte dans le... Du coup, canal 1. Canal 1 pour tout le monde. Il y a la Sierra avec nous. Donc Strider au milieu, avec deux véhicules devant et un véhicule derrière. Strider. Ouais. Ok, Alpha Bravo devant et maintenant on passe tous canal 1. Et Charlie Doc derrière. Eh les gars, si le ministre il meurt, vous mourrez. Ah, vous inquiétez pas, j'ai du coup, de le protéger. Du coup, le Doc il est en Strider au milieu. Pour information, le ministre est dans le Strider. Tu prends ta voiture, Jackson, ou comment ça se passe? Commandant, on est passé en canal 1. Jackson? Jax. Alpha, vous prenez la tête du convoi. C'est bien pris, c'est bien fait. C'est qui toi? Allez hop. Je sais pas avec qui je suis monté là. Avec votre chevelu. Vous êtes pas monté avec les meilleurs. Est-ce que tu connais un? Merde. C'est reçu. Allez, attends, Alpha, en tête du convoi. Il est absent. Il vient d'avoir un souci cerveau, à sûreté. Ok, bien pris l'alpha, on est sur. Oh putain, ça y est, ça commence, c'est quelle heure? 10h15, ouh. Ah mais on peut avancer, il nous rejoindra à la limite. Ok, c'est bien. Donc, à tous, objectif, LCO. Discuter, le ministre va discuter avec le patron. Sécurisation à 360 degrés. Repérage de tout rebelle potentiel dans l'entreprise. Le ministre et la Sierra BRF vont s'occuper de la caisse noire. Objectif secondaire. La oil. Idem pour les missions. Sécurisation 360. Repérage rebelle et interpellation. Sierra et ministre, récupération de la caisse noire. C'est bien pris de Sierra. Ça 3. Donc maintenant je veux un maximum de sérieux sur la radio, on est en mission, donc stop au canal. Arrivée de Dragon 3 sur zone. Reçu, Dragon 3, bienvenue. Dragon 3 Dimmer, ça prenait de l'avance et écartez-vous du coup. Pourquoi on attend un peu le Dragon 3. Dragon 3, je vous laisse prendre de l'altitude et checker aux alentours, je veux une vision thermique, c'est 100% et 20, à tout moment. Pas de soucis, on s'en occupe. C'était Dimmer, se blesser un de tes collègues là. Quoi? Le chargé, je m'en occupe. Je vais aller là. Ouh. Oh la vache. Le site pour tous, le ministre souhaite qu'on ralentisse un peu. Beaucoup de kick-off quand même. Pour des gens qui n'ont pas fait les mises à jour. Putain, je vais bailler, con.
Ça va les joueurs? Ouais, ça va. Salut Alexandre, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite à nous rejoindre sur Discord et sur YouTube, où tu trouveras la description en bas de la chaîne pour revoir les lives et les gameplays que tu as ratés. Merci à toi et bienvenue mon loulou. Bienvenue dans la famille. T'as deux blessés. J'en reviens au moment où je suis. La magistrate en priorité. Mettez la magistrate dans le strider et l'autre dans le véhicule à du bas. Et le ministre peut toujours rester avec moi. Du buzz. Ok. Dragon 3 pour Sierra. Vous voulez faire en premier oil ou LCO? Allez, restez pas groupés comme des mouches à merde là autour d'une crotte. Là, vous dispersez, vous sécurisez les lieux. Là. Alpha, on est Alpha. Je demande les médecins sur notre position directement. Merci. Allez, vous me faites un périmètre de sécurité de 100 à 150 mètres. Allez, c'est parti. Dubas, tu t'occupes de la blessée? Affiche, je suis en train de le stab. Bien fait. Il reste une place ou pas dans le trader Oula. D'accord. Bah ouais, je viens de... Bah pour le ministre, je pense du coup ce serait mieux qu'il monte dans le trader. Oui, il peut remonter, il peut remonter. Il y a pas les soins qui sont en train de se faire là. Ouais, c'est ta femme qui est dedans. Un médecin de combat aussi, s'il y en a un dispo pour vous. J'arrive sur toi. C'est ta femme? Vas-y. Odor, c'est ta femme? Odor. Momo reste en poste. Odor. Je crois qu'il est encore sous le choc des... Ah merde. Mais oui, c'est sa femme. Ah. Attends, je te suis. Si. Pourquoi t'as une tension basse? Vas-y, je t'en mets. Il est où le ministre du coup? Ah. Tu m'entends? Ouais. C'est bon, oui, c'est ma femme dedans. Ah bah je lui ai proposé la soirée comme promis. Voilà. Moi je te mets une... Je lui ai proposé la soirée comme promis. La soirée. Bah comme je t'ai dit, le jour où je rencontrerai ta femme, je l'emmènerai en soirée. Bon. Juste, c'est quoi la boîte? Ouais, je viendrai, ouais. Okay. Hein? Je viendrai avec vous? Non, t'es pas convié, toi. T'es magistrate, t'es pas magistrate, toi. Mais je crois qu'elle va être malade, je crois, ce jour-là. Bah non, t'inquiète. T'inquiète, ça va bien se passer. J'ai une confiance aveugle en vous. Mais si, et confiance. Si vous voulez peut-être monter dans le trader, parce que je pense plus en sécurité. C'est bon. Je peux protéger. En tant que chef de bord, regardez, faites le tour avec moi, monsieur. C'est bon. Bon. Du coup, mon amour, reste en vie. Pas en service, Odor. Tenez le coup, madame la magistrate, restez en vie. C'est comme ça, commandant? Ah, c'est mieux là. Pas de sentiment en service. Ah bon? J'étais volant. Pourtant, mes sentiments me disent de vous protéger, mon commandant. Oui, bah moi, oui. Ah, mes sentiments me disent de protéger la magistrate aussi. Mais non, ça c'est pas des sentiments, ça. C'est quoi, non? C'est du cul, c'est ça? C'est sexuel ça. Carrément. Oh putain, si vous saviez, commandant. Ah bah je veux même pas ça. Ah bah tu me raconteras ça dans la voiture. Si vous voulez, là. Si vous me permettez, ne nous mettez pas à deux dans ces limousines, parce que là. Pourquoi le garage serait serré?
tirer le faux hein, derrière. Ok, l'hélicoptère c'est Marshall pour info. Affirmatif, c'est confirmé, ils sont radio avec le ministre. Un rebelle qui arrive. Quoi, rebelle qui arrive? Non, un VL. Ah. Ah, c'est Hugo East. Ah bon? Ouais. Oh, vous savez? Bah, parce que je le reconnais. Putain, vous avez réussi à le voir, vous êtes chaud. Bah oui. Vous êtes pas commandant pour rien, vous. Exactement. Pour être commandant, faut être commandant. Eh, j'aurais pas dit mieux. Je sais. Est-ce qu'elle s'allume la grosse lampe devant? Ah, c'est con. Ça me fait penser à un jeu sur lequel je jouais sur console. Quoi? Rainbow Six. Moi? Ah ouais, Blitz. Ouais. Ah, bon. Non, Rainbow Six, pas Blitz. Non, Blitz, le personnage du jeu de quel vous parlez. Mais là, je te parle de Rainbow Six. Oui, mais le personnage dans Rainbow Six. Bah, c'est Rainbow Six. Blitz. Un véhicule. Ok, c'est le frère de Hugo East. Peut-être pas ses colonels là, non? Je te dis bien, c'est un nouveau classé cul là. En attente, réponse. Ah, vous faites le forcing, vous dites que c'est un peu urgent quand même. On l'a déjà sécurisé, ça. Vous êtes très importante. À mes yeux. Oui. Mes yeux plus qu'aux autres. Un VL qui arrive, je crois. Là, c'est un VL. Elle m'a vu, j'ai découvert mon visage et elle est tombée amoureuse. D'accord. Bah ça me ferait mal. Non. Ah excuse-moi, c'est ta femme Odor. Elle a pas de poux. Elle a pas de soucis mon commandant. Bonne tension, on peut choquer, allez c'est parti. Par finalement. Non, du coup, pas de douleur. Je te laisse, okay, attention à une grosse responsabilité. Snid. Oui. T'es en sécurité là. Ouais. Ah d'accord. Vous, je me sens toujours en sécurité, je sais qu'il n'y aurait plus rien d'arriver. Ah putain. Alors bonjour, allez, faut que tu protèges. Pas. Ça va? Ouais, j'ai un peu mal. Dites-moi, est-ce que vous avez une blessure? Oui. Salut Jenna, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne, je t'invite à nous rejoindre sur Discord et je t'invite également à t'abonner sur YouTube pour voir les lives et les gameplays que tu as ratés. Merci à toi, bisous, bienvenue dans la famille. Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que vous avez des tâches? T'es égoïste Julien. C'est normal qu'il y a un veil qui est traversé de sans que personne ne se soit rendu compte. Quoi? Bah, y'a un VL pour Focus qui a traversé les celui-ci sans être profondé, sans rien. Ouais, c'est normal, c'est égoïste. On est pas compris les magistrats dans le Sider, c'est bon? Depuis quand? Non, Max, c'est pas vrai. Phil, t'es à Paul. Ah ouais. T'as envie de grossesse ou pas? Peut-être qu'on gère en faire un. Je pense. Dans la voiture, si vous voulez. Ouais, bah j'ai pas encore eu le temps d'aller au supermarché. Regardez, il est à gauche le supermarché. Ouais. Y'a blanc. Bon bah oui, bah du coup, je pense que vous devrez aller faire un test de grossesse. J'ai tout type de tube. Je pense pas que madame ait envie de pisser entre deux portières de bagnole. Bon, on se dépêche, on y va. Non, mais j'ai quand même envie de savoir. Je pense que le général a raison.
attendez, arrêtez de me chercher. Ne vous inquiétez pas, en général, elle est très terre à terre comme femme. C'est bon, c'est bon. Comment ça? Ça veut dire quoi, je suis terre à terre? On s'en fout, on y va. Bonne fin de journée à vous, mon brave. Salut Alexandre! Bon, comment tu vas? Ok, c'est parti! Commandant! Quoi? Peut-être pas pour la deuxième tour? Ah merde! Deux fois, 100% toi! Hein. Quoi? 100%! Hein. Comment ça, 100%? Bah 100%! 100% de moi, c'est sûr! Non, 100%, deux fois, deux gamins quoi! Ça fait beaucoup! Ça va, tranquille! Ça va tranquille, merci mec. J'en ai connu des mecs rapides, mais des comme toi, Odor. C'est tombé, moi je prends pas le temps, je prends pas le temps. Mais t'imagines 10 secondes de plaisir pour 18 ans d'emmerde. Ouais, allez, t'as eu plusieurs heures. Ouais. Ouais, tu t'es pris pour une horloge quoi. Non, je pense qu'on a fait par contre. Ouais. Une machine de. Une machine de. Un vrai blindé quoi. Est-ce que vous voulez que je vous donne mon petit surnom qui est le modèle? Vas-y. Légende. La légende. Et parce qu'un coup, je sais pourquoi il y avait un petit sujet comme ça. Et à quoi elle est sortie de la musique? Bien joué la légende. Une relation. Ouais. Et elle est sortie et en fait, ce plafond, elle a dit, mais ce n'est pas qu'une légende. D'accord. C'est bizarre quand même votre relation. Bravo. Ah bah écoutez, c'est une relation saine, basée sur l'amour. Ok. Bon, une fois qu'on sera arrêté dans la LCO, sécurisation du pont et de l'île, et je veux une unité devant le bâtiment. De général devant le bâtiment, je pense. Alpha. Du coup, de général, c'est au niveau du pont. Tu m'as adelanté au milieu. Bravo, on va aller avec Charlie. Non, moi tu me mets devant. Non, on se met devant. Du commandant, on doit se mettre devant le bâtiment. Ok, bien pris. Uniquement toi, pour Charlie. Ma fille. Bonjour. Je vous amène ici. On va vous expliquer, j'attends tout le monde. D'accord. Quelle belle entreprise. Ah bah ça. Ah là là. On a connu une petite crise là, ce dimanche, mais bon. On repart à bon pied. D'accord. Contre le fisc, tout ce que tu veux avec. Bah, tu regardes les papiers. Ok, pas de soucis. Bon, je. Donc, bien, on pourrait. Alors. Mettez-vous en sécurité, il suffit qu'il y ait un sniper. Je vais plus ou moins à l'entrée la matinée. Vous avez un bureau, monsieur le PDG? Oui, bien sûr. Entrée du bâtiment ou. Que je veux voir où vous faites la sieste. Allez, c'est bon, en général, je suis enfermé dans votre véhicule. Fais pas la sieste, monsieur, nous. Bien sûr. Oh la vache! Ça manque de peinture quand même là-dedans. Mais c'est toujours plus propre que le mien. Hein. Vous savez, chez moi, il y a des taches de sang, il y a plein de choses comme ça, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah, pardon, allez-y, monsieur le ministre, je vous en prie. Allez-y, asseyez-vous. Je veux quand même voir ce que ça fait un siège de passager. Oh la vache! Je me sens PDG là. Dis donc, c'est quoi votre page qui est ouverte là? C'est bizarre quand même. Ouais, c'est pas grand chose. C'est le PDG qui a laissé ça. Bon, c'est un. Document pour aller. Bah écoutez, petit papillon volant la nuit en discothèque, c'est pas trop. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est marqué ça. Ouais, c'est marqué ça, ouais. Je sais pas ce qu'il fait, moi je touche pas, c'est l'ordi du PDG. C'est peut-être un nom de code. Bon, on y va. Eh ben oui. Ah, ça aurait été bien de passer demain, parce que là, je vous avoue, quoi, il était un peu en situation de crise il y a pas moins de 10 minutes, mais. Bien, je me suis retrouvé tout seul avec le PDG, j'ai dû quitter quelques personnes et relancer l'entreprise.
Bon. C'est assez compliqué, mais il n'y a pas de problème, hein. Je suis prêt à... Donc, qu'est-ce qu'il vous faut du coup? Donc les papiers du montant, les reçus que vous recevez, la revente. Ouais, comment je peux vous donner ça? Tenez, je vais vous donner les papiers. Je sais pas si non, vous y avez accès. Vous... Est-ce qu'ils sont verrouillés? C'est pas pour moi, ça sera pour mon collègue à côté. Donc c'est lui qui ça se trouve à faire. Attendez, il faut que je... D'accord, j'ai déjà tous les documents. Vous avez déjà tout, monsieur? Affirmatif, j'ai tout sous les yeux, je suis en train de vérifier. D'accord, c'est... Bah, allez, c'est quoi votre nom, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Bravo, on a un camion de la LCO qui vient d'arriver, on procède au contrôle. Oui, il y a eu une bonne semaine la semaine dernière. J'avoue que votre entreprise, la semaine dernière, on m'a donné des bons retours, mais des mauvais retours également. Ah oui, hein. C'est-à-dire... Oh, un sac. Oh, un gilet jaune. Ah, une arme. Oh. Alors, les messieurs qui ont quitté... De Hawkeye, on laisse passer le camion après fouille RS. De brigade pour la paye. Ils ont revendiqué simplement la présence de notre PDG. T'as vu ce que je vois? Une certaine part des bénéfices, mais... Si tu touches, je te défonce. On parlait de votre taxe. Tu laisses mon arme? Ou des. Je laisse. De la protection des policiers. À aucun moment on a dénigré votre travail, monsieur. Ou alors, je ne suis pas au courant. Messieurs, on m'a revendiqué qu'il ne gagnait pas assez et que par rapport à ce qu'il gagnait, il n'était pas assez payé. On parlait des bénéfices, monsieur, de l'entreprise. Et vous pensez donc pas que les bénéfices de l'entreprise sont quand même élevés pour une entreprise qui tourne normalement, voire même en messieurs, moi je vais vous dire, actuellement, toutes les personnes qui ont revendiqué ça ne sont plus dans l'entreprise. Donc moi, je peux pas vous avancer plus que, je peux pas vous avancer plus que ça. Moi, je suis, j'étais le responsable d'équipe avant que tout le monde parte. J'ai dû reprendre en catastrophe. Et on m'a donné les permissions pour que je puisse faire des recrutements. J'ai recruté 4 nouvelles personnes. Ouais. Et j'ai relancé l'entreprise comme j'ai pu. Mais mettez-vous juste derrière pour vous dites là, moi je cautionne pas en tout cas tous les points qui ont été dits. Ou alors que vous avez entendu, je sais pas ce que vous avez entendu, mais moi j'étais présent lors de cette manifestation. Et oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux, Zizi? J'admire. C'est cool. Dragon 3, vous avez un camion de la LCO qui va. C'est moi que t'as mis. Et après, on va s'en occuper. Aussi, oui, après, c'est mes. Est-ce que ces nouvelles personnes que vous avez embauchées sont dignes de confiance? Ça, je vais voir sur le terrain. Après, j'ai inspecté leur. Moi, j'ai déjà la réponse. Oui, monsieur. À qui est ce sac à dos? Ça, j'y étais sans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a là-dedans? Un SW modèle 500 en calibre 12.7. Monsieur, écoutez, la personne qui avait posé ce sac à dos au départ, il était ici, il n'y avait rien dedans, monsieur. Ah bah voilà, là il y a une arme dedans. Ce serait pas vous qui l'aurait. Ah non, mais attendez, monsieur, je fais partie de la justice, moi, monsieur. Moi, je ne fais que constater les preuves. Bon, bah je vais le saisir. Allez-y, monsieur. Et également un camion rasé également. Et qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Ouais, bah moi je viens de vous dire qu'il y a une arme dedans en fait. Écoutez, il y a quelqu'un qui a dû passer, peut-être vous ou quelqu'un. Ah bah moi, on n'a pas ce genre d'armement nous. Ah bon? Non, on n'a pas ce. Je n'ai pas ce genre d'armement, c'est un équipement illégal, je pense. Ah bah tout à fait. C'est un équipement illégal. D'accord. On est bien d'accord. Merde. Putain. Hop là. Écoutez, j'irai reporter ça, faire un rapport si vous voulez. Regardez ce que j'ai trouvé dans le sac à dos. C'est quoi ça? Et je connais même pas ce pistolet en fait. Le canon est long. Le calibre est puissant. Une balle, monsieur Ferrara.
monsieur, je... Et vous serez une légende dans ce pays. Donc là, donc, je crois qu'on t'a autre chose à dire, pas juste. Donc, première infraction. Attendez, ça, va coûter, ça va coûter cher ça. Oh là, ça va coûter cher ça. Monsieur... Attendez, je fais les calculs, je fais les calculs parce que. Du bas, contre le dernier que j'ai pas le temps de faire. Ah, si, même si il avait sa pièce d'identité dans son véhicule. Donc putain, on est déjà à 3 millions. Hein. D'accord. Manquerait plus que je découvre maintenant la caisse noire. J'irai voir le. De quoi? Bah, elle est là, monsieur. Ça tombe. Bonjour, police. Monsieur, écoutez, je vous dis qu'il y avait. J'ai vérifié ça tout à l'heure, il n'y avait rien dedans. Bah, vous écoutez, moi. Et puis, au moment où vous arrivez. Eh ben, il y a une arme dedans. Négatif. Je dis juste que vous êtes arrivé et que bizarrement, l'arme est apparue dans le sac. Donc, vous êtes en train de dire que c'est moi qui ai mis l'arme? À aucun moment, je vous dis que c'est peut-être vous, c'est d'accord. Peut-être les civils qui sont passés pour travailler. Je pense, je pense. Je pense parce que j'ai vu un homme habillé d'un t-shirt avec un logo Altice. J'ai pas trop compris. Voilà. D'accord. Bah écoutez, si vous voulez, je peux vous sortir la liste des personnes qui sont venues travailler. Si vous voulez, pour faire monnaie votre enquête. Bah, je donnerai ça à mon collègue qui s'occupe de tout ça. Donc on en était... D'accord. En fait, il y a un contrôle d'entreprise. En fait, c'est un contrôle d'entreprise pour voir s'il y a des choses illégales et la caisse noire surtout. Il y a les. Normalement, il y a les historiques, mais ils ont été. Effacés. Effacés, effacés, effacés. Non, tout ce qui a été fait a été mis dans les historiques, monsieur. Hein. Tout est dedans. Hein. Historique. Des feuilles que le PDG a pour éviter ouais. Trop de failles, il faut lui demander. Ouais. Pour CPA sur position, bravo. Salut Papito, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Merci à toi. Je t'invite à nous rejoindre sur Discord et à t'abonner sur YouTube pour avoir les gameplays des vidéos. Merci mon loulou et bienvenue. Ils ont juste été enlevés, enfin été mis, été cachés pour éviter. Donc on l'entend pour... Comment oui, intérêt. Vu comment c'est parti, oui. Là en fait, ils ont une position normale, mais nous on les voit en position chargée. Allez, Douglas. Douglas. Ouais. Est-ce que tu crois franchement que tu es capable d'agir à tout moment là? Justement, en fait, pour lui, il est normal. Faut qu'il passe une décision, en fait, Douglas. Il y a que nous qui voyons dans ce sens. Voilà, c'est bon. Ah, Bertino, t'es à Paul. Ça vous entendez, les gars. Ça vous entendez. RAS, pour l'instant, il se pose dans une sorte de stockage. Contrôle. Kelly. Ah, oui. D'accord. Tu veux bien prendre deux agents de la public avec toi et faire un tour des personnels s'ils portent bien des casques et tout ce qu'il va en protection, s'il te plaît pas. 4 ou 5, mais le truc c'est que comme les messieurs sont arrivés, je peux pas assurer le convoi et qu'il faut que je reste là. Arrêtez de gueuler. Qu'est-ce que t'as toi? Tu veux que je vienne te botter le cul ou quoi là? Je fais le tour des employés pour voir. De CPA, on se pose vite fait, on va ravitailler. C'est quoi le problème là? Vous voulez que je vous botte le cul? Un petit rigolo, toi. Bien. J'ai l'impression d'être dans un zoo, vous voulez que je vous balance des cacahuètes ou quoi? Bonjour, monsieur le policier. Kevin, ah, vous Ouais. Putain, regarde, un singe, tu mets une cacahuète? J'ai mal, on passe par derrière, on y va. Salut, mon ami, bienvenue à toi, merci d'avoir fondé la chaîne. Tu peux également, je t'invite également à nous rejoindre sur Discord et sur YouTube, tu trouveras les liens en description. Merci, merci à toi et bienvenue dans la famille. Un monsieur qui s'est mis à uriner sur le mur d'Adamon. Là, il se lève, pardon. Ah non, 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 papa, il faut que tu l'aies. Attention, attention, attention. Deux. Moi, je t'ai dit, fais ça aussi, non, comme ça. Y'a pas de problème. Pas, je perds du temps. Qu'est-ce que c'est, toi? C'est toi qui m'as traité de singe ou quoi? Je l'ai pas cher sur la voiture. De quoi tu parles? Quoi? Regarde derrière toi. Tu vois quelque chose? C'est naturel. Comment là? Mercedes? Bien plus naturel. Voilà. C'est bien. Je vais nettoyer. Et toi, là? Bah oui. Ah monsieur, vous faites un peu de pardon. Attendez, bouge pas, bouge pas, bouge pas. De reculer, monsieur, j'ai pas besoin que vous preniez. Attends, bouge pas. Ok, il y a votre nom qui est trancé. Cush, cush. Ah, c'est ça que tu voulais faire? Ouais. Oh. Oh non, elle est belle, la police. Tout est fermé, tout est fermé.
Ok pour tous, azimut 77 par rapport à position. Ouais, bah vas-y, bah c'est bien. Au moins t'as filmé quand il a frappé un policier. Voilà, mettez ça sur la souris, pas vu le policier là. Bon, Soda va venir en force sur l'antenne. Ah, mais venez se tomber. Viens dans la Soda. Allez, vous m'évacuez tout seul. Bon allez, obéissance à la loi, dispersez-vous. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Ah si, affiche les voiles. Rapport. Manifestation devant. Tenez, parce que gaz. Ça va, super. Allez, dispersez-vous, obéissance à la loi. Sinon vous serez interpellé. C'est pas moi. Oh puis. CBA, j'ai multiple packs en dessous de ma position. Attends. Ainsi qu'un Ifrit, un L4 et plusieurs véhicules packs. Ouais, j'ai entendu. Dans le pire des cas, je suis. Allez, Gordon, viens là, là. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Dans le strider, oui. je prends la mer. Alors, ici, c'est. Là, on est plus RP là. Alors. Tu viendras me voir tout à l'heure dans mon bureau, on va discuter ensemble, ok? Pourquoi ça? Parce que l'enculé, j'ai pas trop aimé en fait. Et j'ai pas parlé à vous, j'ai parlé à mon collègue. Ils sont là, les VIP pour le moment? Merde. Bah si. Ce sont les VIP, moi j'ai assez extrait par la mer avec l'ostre. Tiens, reçu. Faudra juste que le CPA soit très attentif aux L4 qui peuvent être autour quoi que je peux shooter C'est là pour tous, j'essaye de garder les packs de mon côté avec les frites et ils partent à l'opposé de vous, donc si vous pouvez bouger ce serait cool. Évitez que le convoi vous tombe dessus là. Il y a des limites, merde. Bénéfice de combien? 240 millions. 242 millions. Il va y avoir un problème là-dedans. Document ne marche pas très. Moi, les derniers chiffres, avant que tout ceci soit déplacé, il était de 140 millions le bénéfice. Total. Il y a un problème. Note 2. De... Écoutez, moi, je vous dis ce que. Je vous ai dit ce qu'il y avait. Salut Monari, désolé. Salut Monari, merci de ton follow, merci d'avoir follow la chaîne, bienvenue à toi. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord et t'abonner sur YouTube pour revoir les lives et les vidéos que t'as ratées. Merci mon loulou et bienvenue dans la famille. Odor la porte. Odor la porte. Non. Aïe. Bon, aucune manifestation, les gars. Ça, c'est votre job, les gars. Putain, c'est pas à moi de faire ça, merde. Initiative, non, bordel de merde. Sur ma troupe. L'initiative, bordel. Je suis même pas censé le faire, là. Ça va, messieurs. Ça va. Vers la porte arrière. Y'a plus personne qui surveille. Ah chef, j'ai en visuel, t'en fais pas. Je suis juste à côté. D'accord, c'est pris. Ah puis mais là y'a des civils qui vont rentrer. Attendez, j'y vais. C'est les appels d'entrée, je viens de rentrer. C'est bon. Kiki. Moment, attends un poste. Technique pour maman. Écoutez. Ouais, bah le document est très mal fait, il y a pas de problème. Écoutez. Je vais passer les mots.
Nén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 
Le Sierra 3 se fait sécuriser le dernier étage. Si je me fais toucher. Et les enfants, la vie de ma mère, y'en a une ouf, le marave. Défoncé. Mais tu. Pardon. Position des plaques, des les enfants. Hélicoptère Alcat. Les employés, calmez les. Calmez les. C'est Daniel qui a insulté ma femme. Eh oh! Le prochain que j'entends insulter, je l'embarque et ça va mal se passer. Parce que le gros PD, tu vas voir s'il est vraiment PD. Ok, hein, les clients, les si vous voulez être payé, ouais, okay. Calmez-vous. T'inquiète. Monsieur, quand on est arrivé, pendant 10 minutes, on était calme. Et du mais coup, malheureusement, c'est pas notre faute. Hein. Donc, à patienter. C'est la faute à qui, monsieur? Est-ce que vous pouvez dire c'est la faute à qui? C'est la faute Franchement, ouais, quand t'as 6 trolls, ouais, c'est compliqué. Pardon. Et quel est le plus dangereux, là, les... Ah, c'est... On se demande, des fois. Franchement, je me... Je commence à me demander, là. Non, mais il nous faut... J'ai mal en bas, là. Vous êtes des animaux ou quoi, les gars, là? Rien à foutre de commentaires sur les sujets. Ah, monsieur le patron, bonjour. Vous calmez? Bonjour, monsieur le patron. Bonjour. C'est bien de dire s'ils en sont où les camions là, enfin le convoi. Là pour l'instant, l'Ifrit est dans Dorida. Avec le reste de ses collègues. Monsieur, ça va encore durer longtemps. J'ai. Ici, y'a pas de vie. Bah, ils sont tous regroupés dans Dorida. Oui, ça va. C'est pas une vie qui va nous protéger. Pire journée ever. Mais je vous jure. Je voulais juste qu'on me râle. L'inspection, je viens de dire, c'est un truc des robins. Ah, monsieur le policier, monsieur. Ah non. Monsieur le policier, il y a des méchants. Ok, deuxième L4 qui arrive sur zone. Hein. Il y a des méchants dehors. Chut. Encore les copains. Et où c'est dans la salle. Patrick, qui sont à bout de l'écho là. Restez calme face à ces méchants. De bravo, on laisse passer un camion. Il avait une arme légale, on lui a retiré pour des raisons de sécurité. Il est clean. Eh, je vous je reviens plus ici. Hein. La dernière fois que je mets le pied ici. Je vais plus travailler. Sachez que ce n'est en aucun cas la cause de la police ou de la LC. J'en sais rien, Alex. Ah, ça arrive, il en faut, hein. Il y en a sur tous les serveurs. Bref, moi je viens plus ici pour faire de la. J'ai besoin d'eau, par contre, plus vraiment. Mais je sais pas, tu vas moller. T'inquiète, on va travailler. Ah, mais je sais pas, tu vas moller. D'autres endroits. Le convoi de Pax est actuellement au niveau du pont, direction Pierre-Bosco. C'est l'entreprise qui avait parlé. On suit. C'est l'entreprise qui avait parlé. Transmet. J'y vais, plus j'en ai, je plus sur la tête. C'est reçu, je leur ai déjà donné l'info. J'ai 2004. C'est pas grave, c'est bien. Répétez la dernière cap. Le Dragon 3 pour tous, ça vient de passer la BP. Ils sont au niveau de la BP. Donc on a 2 L4 apparemment, 1 Ifrit et 6 VL. Plus de 6 VL. Plus de 6 VL. Et des VL qui rentrent dans la BP. Mais c'est bon, on s'est taisé en moins de 10 minutes. C'est rocheux. De bravo, si jamais ça se dirige vers nous, prévenez-nous, on mettra des herses à l'entrée. Ouais, je vous jure. Pour l'instant, ça prend place dans la BP. On revient plus ici. Hein. Bon, préparez-vous à tout et à n'importe quoi. Bravo, RC le pont et repliez-vous sur nous. Ok, c'est bien. je vous jure que ça va durer plus de 50 minutes. Bon, on reste en train de faire des enjeux originales aujourd'hui. Ça y est, les gars. Après, c'est juste si on faisait un touche-touche. Confirme. Dites-leur de quitter la zone et ça se passera bien. Les policiers, vous avez pas des tasers. CPA, je vous laisse le répondre. Lorsqu'il s'en occupe. Oui. Ouais, bon, bah c'est comme d'habitude. Hein. C'est bon, ça me saoule cette histoire. Ouais, je suis en haut.
C'est casse-couille. J'en ai rien à foutre là, on leur a juste dit juste de se casser efficace, y'a pas de problème. Ouais. Tiens, mais ce qu'on a à faire. Yankee pour Nick. Transmet. Il y a encore un civil dehors si tu peux vite aller le chercher. HF, position du civil. Là il arrive vers les camions de la ICO. Je m'en occupe. Je suis pas sûr que rester devant la frise c'est la meilleure solution. Test canard. Ah non mais c'est... Pour information Cobra, nous avons possiblement les Rampage qui ont pris position dedans la BP, nous avons un Ifrit, 8 VL, 2 L4. Apparemment ils ont un total. Ah bah ben, c'est on leur a demandé de bouger de la zone et tout se passera bien. Cobra, je ne sais pas sur le canal, j'ai l'air de bouger vite là, faut pas qu'ils viennent vers. On est là. Tout le monde va être payé. Ça a été fait le message à la Rampage là? Ah fille, moi je l'ai fait. Quand ça me pétait les bonbons avec ça. Vous voulez qu'on quitte l'Est mais on siège à l'Est. Non, d'ailleurs, de repartir à Sofia. Tenez mon cachot si vous voulez. Attendez. Bah, en fait, j'ai utilisé tout. Oh, je vois rien. Oh. Monsieur, ça fait des heures on est là. Des heures, c'est pour 10 minutes. Là. Je vous vois même pas. Et une fois, je me suis couché à au moins minuit. Ouais, non, mais carrément, Jack. C'est un truc de fou, hein. Franchement, là, je vous comprends pas, les gars. Je sais que vous avez, y en a qui sont sur le live, là. Je vous comprends pas. Systématiquement, vous partez en PO alors que vous savez que très bien qu'on est, enfin, on fait autre chose. Franchement, c'est casse-con. Parce que c'est toujours la même technique, en fait. Vous prenez des otages et blablabla. Voilà, c'est chiant, en fait. En fait, on a même plus envie de faire d'action avec vous pour ceux qui sont sur le live, en fait. Parce que ça devient chiant, en fait. Il y a perdu RP, en fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de RP, en fait. C'est casse-couille. Boîte à puce. Mais j'ai pas soif, j'ai faim. Je pense qu'un jour ils vont arrêter de se mettre à 1 par VL. Les oh, merci. Je sais pas. Je pense pas. Il y a un comportement réfléchi et... Il ne me dit pas. Oh, mais c'est pas de bonbons. Hein. On voit les policiers. Ouh, faut que je parte en PO. La demoiselle, hein. France B. Ok, elles ont pris un intérêt. Du coup, le message était négatif. On ne bougera pas. Bon, et en plus, ils veulent pas bouger. En soi, pour l'instant, tant qu'ils font rien de mal, on peut les laisser là, hein. Ils vont pas attaquer le point. Non, bah on va les laisser là. Vous confirmez un otage? Ah si, ouais. Bon bah voilà, bah, tu les laisses, on termine ce qu'on a à faire, on a rien demandé, nous. Bon, ils ont pas demandé de négocier, attends. Je crois que toi, ils veulent t'échanger, mec. Moi, je vais bien changer ma place avec Mademoiselle Lombard. Tu leur fais bien comprendre, ils lâchent l'otage, ils partent à Sofia et basta. C'est qui l'otage? Dis-leur qu'on va rien leur faire. Hein. C'est la madame l'otage. C'est pas notre priorité pour l'instant, on va rien leur faire. Tu leur dis on lâche l'otage, vous lâchez l'otage et puis vous repartez à Sofia. Ouais, ça dépend. En fait, ça dépend des familles. Qui se rapproche dangereusement du pont. Bah, on a des airs sur le pont donc il va se les bouffer. Est-ce que vous voulez qu'on intercepte s'ils se bouffent les airs? Bah bien sûr, hein, ça enclenche un code noir. Hein. Ça va rentrer. Il va manger nos herbes de bravo, on va y... Ça passe le pont, il est sur le pont. C'est sur le pont. Préparez-vous. Pardon. Bravo, on est prêt, on est sorti. Putain, avec TTX, ça l'a... Ils ont posé des herbes, ça pose des herbes. Ils ont posé des herbes, je vais vous mettre la herbes en back. Et après, faites attention les unités qui sortent, on a aussi nos herbes à nous. Bah les Cobra, vous chargez de ça là. Mais après je vais les enlever. Dragon 2 pour DD. Transmet. L'argent il est dans le trailer. Il n'y a pas d'argent. C'est juste une vérification fiscale. Pourquoi j'ai personne à l'arrière là? Par contre les VIP je peux toujours les prendre dans le trail et barrer par le haut. Affirmatif. De Cobra, est-ce que vous êtes prêt à sortir? Parce qu'on va se manger l'air pour l'enlever s'il n'y a pas d'autre moyen. Je suis en train d'enlever la herse des packs, mais l'outil enlève notre herse. De Dragon 2, on a eu une réponse des messieurs qui ont posé la herse. Je vous transmets le message de lancement. Oh, ça tire. Puisque vos hélicos ne veulent pas bouger. Ça vient de tirer, c'est normal. Comme on vous l'a demandé. Il n'y a pas de herse qui a été posé là où je suis. Nous allons abattre l'otage et ils ne vont pas bouger de leur position. Bah, ils ont abattu l'otage, hein. Ils viennent de tirer. Ah, il y a eu un coup de feu. Confirmé?
J'ai eu un coup de feu, pas d'info. Ah bah, code noir, les gars. Non, mais si. Il a eu l'info, ils ont abattu l'otage. J'ai eu l'info comme quoi ils abattent l'otage. Et au moment du message, j'ai eu un coup de feu. Et... Allez, pour me dire confirmé ou pas, parce que je peux abattre les catins. Ah, mais d'après le message, ils me confirment qu'ils l'ont abattu. Ah bah, vous, code noir, allez, go, les gars. On shoot tout arrêté à 1110 par rapport à la LSO. On shoot. Attendez, on va essayer d'un F4. C'est à bord. Un F4 abattu. Allez, c'est parti, les gars. Il y a encore des packs derrière la voiture. Faites gaffe, messieurs, il y a des packs dans les VP, hein. Sniper, je passe à l'arrière, Strider. De Strider, je passe à l'arrière, je passe dans l'océan. Et replie-moi ton périscope. Il faudrait un CPA qui reste constamment sur mon strider. Périscope replié. Ils sont dans la BPS. La fille, ils sont dans la BPS. Commandant, je suis devant avec la ramasse. Du coup, le dragon pour toutes les JT, là où il y a la fumée, c'est les frites qui est abattu. Attention, il a vu ses fumées, mais de l'autre côté, de direction BP, on le voit. Il nous a chier. Négatif de Viper. Pour tous, c'est des véhicules vers Nord BP. Attention, Blake, fais gaffe, il est dans le bâtiment en face de toi. Mettez des points s'il vous plaît sur les. Où il y a des packs. Il est chiant. Cédric, t'es où? Sur le toit. Point packs vie. Point Pax, un Pax dans la tour BP, la première en regardant depuis la LC. Moi aussi. Nul à chier là. Un feu shoot. C'est moi. Ouais, c'est bon, abattu. Dans la tour, il y aurait l'otage apparemment. Comment ils ont dit? Ouais, non, mais c'est clair, je suis d'accord avec vous, les gars. Là-dessus, je suis d'accord. Qu'ils l'abattront, si on bouge pas au moment de ce message, on sera en train de tirer donc. Là, il me confirme qu'il est pas mort. A voir, à vous de voir ce que va faire. Fais gaffe, petit tenez tout, on a un mec sur la droite. Tu vérifies la tour? Il y en a un. Chacun prend un tir. Une tour. Ouais, c'est dans la tour, c'est dans la tour. Chacun prend une tour. Dans les frites. Je vois pas le mec dans la tour. Ah, c'est bon. Moi ça me dégoûte ça. Fais gaffe dans les tours. Hein. Il faut la tour de gauche aussi. Hein. Ok, faites gaffe à tous, Fiat 500 rouge. Hein. Dragon 3, j'ai deux...
J'irai pas que ça passe du Sherman qui est comme par contre. Vous avez la barre rouge dans les fourrés juste à côté de vous, à votre gauche. Faites gaffe autour, hein. Allez, coma. C'est celui que je viens de mettre coma, ouais. Faites gaffe qu'il se relève pas, hein. Bon bah désolé pour ce petit RP à 2 francs. Bonsoir à tous, info sur zone s'il vous plaît. Connor, moi j'ai mon pilote qui vient prendre sa roche, je suis en parachute. Moi une balise, je vais te chercher. Ryan peut aller chercher, Ryan peut aller chercher. Affirmatif, je suis un hélico, j'ai pris un hélico. Diablo pour Titan, j'ai pris. Ils ont volé ta RS6 là, ils partent direction BP. Qui a besoin d'être équipé s'il vous plaît? Valide Johnson. DD de Hawkeye, est-ce qu'on peut y aller avec deux Vipers? Bien sûr, allez-y. Allez, Alpha, bravo, on y va. C'est clair ou pas sur toi, Titan? C'est bien pris, on y va d'Alpha. Première vue, ouais, mais il faut une extension pour Shaman. J'arrive. Ouais, en fait, on était en train de faire des vérifications fiscales et la Rampage nous a vu, ils ont pris un otage, ils l'ont abattu dans la tour. Donc du coup, ils enclenchent un code noir, et voilà quoi. Où ça? Dans la BP. On a combien de mètres? Ok, on a enlevé à 846. Ok, vu. Dépêche. Il y a trois collègues communs à côté de toi aussi, Dita. Diablo pour Schneed. Les trois bas gauche sont communs. Non, allez où la bas gauche? Les gars, pas tous en même temps sur la radio. Retransmettez pour. Bah, parce que c'est. Je t'expliquerai, Sotes. Ouais, affirmatif, j'aurais demandé de la bouger un peu plus loin et j'ai pas eu de réponse encore. Donc, je sais pas s'ils l'ont fait ou pas encore. Ok, à tous, Audi RS6 qui part direction nord. Audi R6 police, direction Kalouchori, Dorida. Dragon, on s'en occupe. Allez, pour Alpha, bravo. On va aller au point ici. Est-ce qu'il y a encore des packs dans la BP? Pas de visu pour l'instant, mais restez prudents. Normalement, tour nord-est. Cruise, vivant. Affirme. Ouais, c'est ce qu'on appelle du force fight, mon petit Diego. Alors, je sais qui est en plus, donc quand on voit qu'il y a la police, on prend un otage et qu'on l'abat, ça s'appelle du force fight. Pour information, PMA mise en place, là. Elle arrive. Après, bon, tout ça, bon, après, on va en discuter. Hein. Après, il faut toujours en discuter. Ouais, on bouge. Il y a un accent. À mon avis, dans le Pyrgos. Ou sur les montagnes. Ouais. À tous, il y a certainement un TE dans les montagnes, il y a Lynx. Monte si tu veux, Disco. D'accord, je vais vous donner un petit cachet aussi. Ah là, ça devrait aller mieux. Buvez ça. Ah là, ça devrait aller mieux. Pour tous, on a récupéré le Cito. Monsieur. Dans les montagnes, j'ai entendu sur le. J'ai un véhicule civil que je peux récupérer s'il faut. Crook, tu veux qu'on te récupère ou quoi? Attends, je récupère juste un truc. Non, je vais partir avec la voiture, c'est bon. Je vous suis. C'est trop chaud. C'est Lorenzo off, il a un compte Insta sur. Arrêtez d'ouvrir la porte là. Ok, on a un véhicule de police qui est volé, de Alpha, on va le prendre en chasse. Merci. De
Johansson, j'ai plusieurs packs dans le dôme au niveau de la BP. T'es reçu. Titan, t'es tout seul? T'as un véhicule? Ok, véhicule police RS6 au niveau du dôme BP. Charbonne vivant. Affiche la porte plutôt. Je vais mettre bravo, vous suivez. Est-ce que le point pack c'est toujours à jour ou pas? Ah merde, qu'est-ce que je fais avec ça? Info? Pour tout ça, le pense c'est percé. Valise. Ok, on est bien là pour l'instant, mais il y a des packs qui ont visé sur nous si on bouge de la tour. Ok, contact la tour, t'as deux packs. Ouais, neutralisé, j'en neutral. Je vais sécuriser. Est-ce qu'on a une PMA active ou pas? La fille, elle est mise sur carte. Donc là, ça, j'ai... Donc le véhicule police, vous l'avez neutralisé, c'est bon. Je m'extrais, j'extrais ma recrue, je vais essayer de la récupérer. Ok, je confirme, Apax, tour sud, BP, tour sud. De Douglas, j'ai besoin d'extraction sur ma position. Essayez de patienter, je vais venir voir si je peux te récupérer. Afi, j'ai Albert Inokoma. Enfin, mort même. Tu peux descendre ton véhicule ou pas? Négatif, il est... Y'en a qui me trouve le sniper là. Négatif. Est-ce que tu prends encore des tirs? Négatif. Ok, prépare-toi, je viens te chercher. Ensuite. Repars ma test. Ça. Allez, embarque, embarque. Tu veux pas embarquer le collègue là? Il est marche, je crois. C'est qui? Enfin, le snipe. C'est Jojo. Je bouge sur la position Jojo avec le. Avec le MT2. CPA, vous pouvez me faire un check sur les collines pour retrouver le TE? Faut que j'envoie une unité Viper? C'est bien pris dans le vent. Ouais, on bouge. Répondu, est-ce que vous avez encore des visuels sur des packs éventuels dans la BP? Salut les gars. Dans la tour, il y a toujours un pack. Ouh. Parfois, je vous le donne. C'est moi, je détruis les véhicules sur place. Pour les éventuels snipers, il y a dans la tour otage, il y a toujours un mec. Il y a peut-être l'otage dedans. Eh, je vous jure, je commence à vraiment avoir que là. Oh, la soirée de merde. Allez, on bouge. Tu veux que j'aille me mettre en TE en haut ou... Johnson, va toujours bien pour toi. On va chercher là. Si, tu vas bien pouvoir venir, j'ai bien appelé. Non. Non. C'est horrible cet endroit, il me casse les couilles. À chaque fois, c'est ah merde, tu es dans le mur. On monte. Ça va, ça va. Ouais. François. Tu veux un TE en plus en haut ou... Ouais, je veux bien.
Ok, tireur sur le toit. Otage sur le toit, CPR. Otage sur le toit. Johnson, impact traité dans la tour otage. CPA de Viper Lead. Transmet. J'ai l'otage sur le toit de la tour nord. Tour nord, habillé noir, couché sur le toit. Plus un pax, dernier étage. À toutes les unités en hauteur, je veux que vous me couvrez cette putain de porte pour que le CPA puisse l'extraire. Le Dragon 2, j'entame la descente. Attends, attends, bouge pas. Tu veux conduire ou pas? Non, non, mais attends, on va protéger l'otage d'ici. 650 mètres. Affirme. Du coup, faut l'embarquer. Pourquoi ça fait ça? Attention, Pax va sûrement venir sur le... Il est là, Pax. Ah, pourquoi je peux pas? Ah merde. Ah merde. Pourquoi je peux pas? Attends, regarde-moi. C'est moi, il était super ou? Attends, j'ai un problème. Ils sont pas crachés, ils sont en bas. Non, c'est bon. J'ai plein de skis Diablo et dans le... Premier étage, Diablo. C'est un ski Diablo, Diablo est out, il est dans l'hélico. L'otage descend. Allez, on le cherche. On va le chercher. Tu veux conduire ou pas? Non. Ouais, vas-y. Allez, on va le chercher. Avec toi, il suffit sur toi dans le cabanon si tu peux. Rasinus, t'as pas la formateur? Négatif. Parce qu'il tu l'as avec toi. Affiche. Ouais, bah moi aussi. Ouais, on va le chercher. J'ai un T avec une terre dessus. Tu peux me mettre un point sur carte? Dans une des tours, je pense. J'ai pas eu de l'autre part. Ok, est-ce que l'otage a été récup ou pas alors? Ah si, je l'ai eu, moi. Bien reçu. Bon, allez, à toutes les unités, vous encerclez la BP et on neutralise tout le monde. Johnson, pour l'instant, ça doit venir des DOM, fais gaffe. Je reprends encore, si? C'est possible. Ah, tout le monde. Suppresse un TW dans la tour. Bouge pas, bouge plus. Oh non. Non, non, pas ici. Ça vient pris de Sira, on va commencer les shoots. Impact confirmé, premier étage. Voilà pourquoi. T'es là? Ah donc pas que ça va, tu te dis. Vas-y, sors, y'a un mec dans la tour là en face. Moi je suis courte portée vraiment. Ouais, bah c'est pas grave, t'inquiète. C'est pareil, je suis dans la merde aussi, hein, je te rassure. J'ai plus de chargeur, moi. Putain, j'ai plus de chargeur, mec. Il te faut les chargeurs de quoi? Non, j'ai pas. J'ai l'otage qui a perdu énormément de sang, il est commun. Ouais, vas-y. Il a un pont? Je sais pas, je vais regarder, je voudrais le soigner. Est-ce que vous pensez qu'il y a des herses dans la BP ou pas? Je pense, ouais. Passe devant moi. Dans la BP, il y avait un véhicule de police volée qui se baladait, donc l'IR, c'est pas sûr. J'ai entendu quelqu'un courir, je pense que je me fais rush de l'arski. Ok, je confirme, NTW dans la BP. Hein. Lansky, tiens bon, on va aller au fort, on va sortir un strider. Bouge pas. Il faut faire chercher l'otage, il est commun. Il est vers toi ou pas? Ah, il est sur moi l'otage. De OK, j'ai récupéré mon binôme, on revient. On va pas rush, on va attendre les autres. Le Pax descend de la tour. Quelle tour? Tour otage. Ici. Tiens bon dans ce cas. C'est pour nous hein. C'est devant nous? Ouais, je peux pas rush. Faites gaffe, il y a un TW dans la BP et dans la deuxième tour, hein. On peut pas rentrer comme ça. Hein. Mais pourquoi? T'as pris mon arme là au moins? Pas que j'ai pas... Ouais, t'inquiète. Ok Mike, ta tour de droite, t'as un Pax. Ok, Lansky, ça va, toujours debout. Affi. Il a un coup. Neg. Il est en train de le full. Affi, je crois qu'il s'est pris une balle. Affi, je vais devoir le soigner. J'entends tir d'MK1MR vers... Affi. Allez, avance un peu. De Sylvain, c'est nous le tir de MK1. Tu veux y aller, Dédé? Prenez des Red Bull.
J'ai besoin de toutes les infos s'ils descendent la tour ou pas. De Tira, on est dessus, on... Ah les gaz. On fout. Tu veux une tour ou tu veux qu'on fasse une tour après le jeu? Descends, il descend. Il faut sortir l'étage. Go. Contre le mur, contre le mur. Il est descendu? Neg, il est remonté. Parce qu'il ferme la porte tout seul au pire. Je suis pas dans un bunker, je peux pas me mettre. Allez vas-y, monte, monte des... Il rush, il descend. Allez monte, 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 monte. C'est le NTW ou pas? Négatif. Qui reste que le NTW à l'intérieur? Il m'a blessé. Doucement, 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 doucement. Va pas trop vite. Va doucement, Billy. Ça va le faire? Ouais, ça va le faire, mais j'ai besoin d'extraction pour le PAX. Pour le TACH. Je peux m'enlever avec le stride. Mais si le NT... Bah ouais. Essaye de pousser à fond, tu seras caché là aussi. Tiens, mais tu veux que je rentre à l'intérieur? Ok. On va pas avoir le choix. Bref. Ok, la tour de Hawkeye est clean, les gars, clean. Ok, à tous de DD, je vais mettre les points à jour PAX, hein. Je mets tout à jour. Ok, à toutes les unités Viper, vous allez me lancer l'assaut au niveau du dôme. CP, est-ce que vous me confirmez présence de PAX dans la tour sud-est? Affirmatif, PAX dans toutes les tours sauf celle que... De Bellic et Bellucci, on avance vers le dôme. Vers le coin, une suppression de dôme peut être lancée. La tour... Ok, j'arrive. Sierra continue à me donner les informations des tours, je suis en train de le RCP. C'est bien pris, pour l'instant plus de mouvement dans la tour. Pour l'unité qui va vers le dôme, attention il y a bien quelqu'un. Hein. J'arrive, on voudra. Bellic, impact dans le dôme. Là c'est des places humains. Vas-y, il est dans ton strider, fonce, fonce, il faut RCP, faut remettre une saline. Oh, il est mort. Ah non, c'est Douglas qui est mort, c'est bon, vas-y, continue. Non, Douglas, tu l'as écrasé, je crois. Ok, deux packs, deux packs dessus, deux packs dessus. Deux morts, les deux morts. Bien joué. Fonce avec l'otage, fonce avec l'otage. Affi. Eh, Dougou, il est mort. Il est mort, il est mort. On arrive. Il est crevé, j'ai pris trop d'habits. Il était plus de packs. La tour avec l'otage, apparemment j'étais deux dedans, mais pas d'info. Quelqu'un peut venir chercher au caille ou pas? On est au niveau du dôme là, comme. On arrive. Là, il faut absolument que tu sois l'otage. On arrive des nouveaux striders là. Fonce, Elias, on arrive dans 30 secondes. Ah merde, putain, il est... tu rentres par où? Douglas, il est comment? Négatif. Ah, mais il est mort. C'est traité les packs là-dedans ou pas? Ouais, c'est clair, c'est clair. Allez, on les en soigne. Ferme les portes. Je mets un garrot au bras droit. Ouais. Pour l'unité Hawkeye, préparez-vous, on arrive dans 30 secondes. Monsieur, on commence à mettre les bandages. Essayez de vous poser au plus près de la porte du dôme. Non, non, c'est un strider qui arrive. C'est un strider. La fois sur les tirs. Super. Vas-y, la attention. Je suis vas-y, clac, clac. Est-ce que vous pouvez agir sur le milieu ou pas? Allez, c'est parti. C'est allez, nous on se casse. Je sais pas, je vais demander une unité Viper si au Cobra si elle peut venir avec moi. Je suis avec toi, gros, on y va. Ok, tu classes, vas-y, suis-moi, tu viens avec moi. Allez, on fait toutes les caisses jusqu'à la tour. Le Cobra 2, on s'extrait avec Hawkeye pour l'emmener PM. Deux docks pour tous, l'otage est sauvé, qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène à la BA? Deux dimmers pour Doc, j'ai besoin de vous sur... Sur Pratine. Et là on fait deux dimmers pour Dumas, je suis médecin de combat, j'arrive.
Le doc pour tous, on aurait besoin d'immunité pour récupérer c'est l'otage, comme ça nous on peut s'occuper des blessés. Il faut une extraction sur Johnson si possible. Info là-haut. Ok. Allez, il est bloqué. Général Timers, la sécurité civile arrive en bas de la LCO. Allez les boubous en avant là. T'as perdu de ça, il arrive, faut RCP. Attends par 2-3 RCP. C'est bon. Info sur la position de la PMA les gars. Ah il l'a décalé sur le Vertagos. Et il y a la sécurité civile à la LCO. LCO, ok. Changez le point, alors supprimez l'ancien point les gars, parce que là on vient de faire un aller pour rien. Ok, il y a une test en dessous de la. Je sais pas si on fait plus PMA, c'est pas mal. Ça ouais, dernier tour. Ouais, CQ sur LCO. Allez les gars, allez à tous, DDD, maintenant vous allez former une colonne sur la dernière tour. Ça va, je dois réparer l'hélico. Je passe à fond. Ce qui tue avec moi. Je vais réparer l'hélico. On le répare après. On le répare après. Sécuriser également pour les unités restantes, il me faut ce NTW absolument. Il est où le NT? Bah je sais pas mais il vient de tirer là. C'est nous le NT. Ok reçu. Ok reçu, allez, direction colonne d'assaut. Dernier tour, on sécurise tout les gars. Bouclier en avant, accroupi, les autres on appuie derrière, debout. Ok, quelqu'un me note les noms de Kazakov, Lijo et Jackson Freevor, s'il vous plaît. Eh bah si. Toujours. Le doc pour tous, on vous ramène l'otage à la CO. Merci. Est-ce que vous avez tous fait toutes les caisses de sécurité ou pas? Les gars, t'es fondé, juste avance avec le Strider. Vas-y, je suis avec toi. La droite, c'est fermé. Ok, suivante. Tirez plus dans la tour. Est-ce que vous pouvez faire le bâtiment blanc du milieu ou pas, les gars? Ok, bien. Pourquoi? Bien reçu, allez on sécurise le site. Allez on sécurise. Ah bon, nickel. Non c'est nous, sécurisation des caisses. T'es dead de Dimmer, c'est clean. Et clean pour la BP. C'est bien reçu. Allez on se rassemble tous au niveau du Strider, on sécurise. Bien reçu. Allez, une colonne d'assaut, bâtiment centre, s'il vous plaît. On a commencé à l'investir. On vous attend de l'autre là, côté. Là, plus vrai but, putain. Allez, gaz. Pour deux, j'ai répondu au message. Allez, il y a deux entrées, les gars. Je veux deux colonnes. De Bélix, je prends entrée de droite. Ok, ouais, j'arrive. Allez, sur ma position, j'ai besoin d'une colonne, là. Yo 7. Prêt pour tous? Il n'y a aucun, il faut du monde sur mon site. Négatif de DD, il me faut une colonne avec bouclier là. Vous êtes prêts l'entrée principale? Ah ça va être... Allez go, top assaut. On va rester dedans, hein, je pense que c'est ça. T'es prêt? Top. RAS. RAS.
Bâtiment clear, BP clear. Ok, on sécurise le BP tout autour. CPA, je vous laisse aller dans les airs. Vérifiez à 360. Cobra Viper, sécurisation du site. Miloki, tu viens sur moi, entrée BP. Les deux dimmers et deux civils qui vont sortir et qui vont prendre la véhicule personnelle pour partir de l'ELSA. C'est Odor pour Cédric, je vais chercher la voiture devant. Ah, fille. C'est clair. C'est nickel. Ok, pour le CIRA, je vous laisse identifier tous les véhicules et les propriétaires pour récolter les noms. C'est bien pris de CIRA. Du coup, est-ce qu'on ramène leur L4 pour le faire péter ? La bière. CIRA 2DD, Flavio Maschetto. C'est bon, allez, on va pas. Est-ce que vous confirmez que tout le monde a été extradé, blessé, mort, otage, etc. Otage extrait, VIP extrait. Ok, nickel. Bon, allez, direction. Direction Sion, quoi. On récupère Sion. Les magistrats et les, les ministres. Véhicule au nom de Sergei Moscou. Ils ont été extraits. Ils sont partis à la prison. Hein. Ok, bien reçu. Allez, c'est parti, direction BA alors pour nous. On va le récupérer. Ouais. C'est bon, il y a un véhicule police aussi. C'est bon. Coup de Johnson, bon. J'ai pas entendu l'info. Je peux pas t'en donner plus. Hein. Nag nag, il y a rien dedans. Tu. Ah merci, putain, tu me sauves. Bon, du coup, allez, je m'occupe un petit peu de vous. Bah ouais, Joe. L'action était pas très propre, hein. Mais bon, on en discutera sur TS, on s'en fout. Bienvenue Yadri, bienvenue Mundari, bienvenue Papito, voilà, bienvenue à vous les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord et sur YouTube également pour voir les lives, pas de problème. Pour toutes les unités, Sierra, décollage de la zone. C'est bien pris. De Sierra, toutes les unités. Ah non, annulé. Eh, hey, dis-moi, commandant, tu peux me rendre mon arme, s'il te plaît? Et j'ai quoi? Attends. Et je reçois une tête de Skito alors que l'otage est toujours vivant. Bah, le problème, mon petit Joe, c'est qu'un gars à toi nous envoie un message en disant qu'ils ont abattu l'otage. Donc, forcément, le code noir est lâché, en fait. En fait, ils ont envoyé un message à Lansky. Et à Lansky en disant on a abattu l'otage. Donc, forcément, avec un tir derrière, donc code noir. Non mais ça c'est logique, mais pourquoi ils viennent et ils nous disent barrez-vous, on a un otage. Bah je sais pas en fait. On s'en fout d'eux là. Mais là on s'en foutait un petit peu d'eux, ouais effectivement. Bah ouais c'est ça en fait. Mais ils sont pas censés le savoir, le problème c'est qu'ils sont pas censés le savoir. Non mais bien sûr, mais on leur dit barrez-vous de la zone, c'est déjà bien. Bah oui c'est déjà pas mal, mais bon qu'est-ce que tu veux. Donc ça partait un petit peu, enfin voilà on en discutera tranquillement sur TS. Ouais avec eux ouais. Ouais tu vois ça avec Lansky, envoie un POC à Lansky Joe. C'est quoi ça? Pourquoi? C'est qui lui? Pourquoi il est sable? Il est. C'est quoi? C'est qui? C'est. Je comprends pas. C'est quoi ces rebelles là? C'est juste la bière. Ah, écoute, tu peux appeler la sécu sur zone. Ah,
T'es qui toi? Moi? Ouais, toi? Je n'ai rien à Jean ici. Mais tu fais quoi toi? Juste une veste pour me protéger, regardez. Ah, ouais, d'accord. Putain. Ouais, tiens, je te la donne. Le mec tranquille, il se balade dedans. Tout va bien. Au calme, au calme, il aime. Ah, je vois pas le problème. Mais toi, tu fais quoi, toi? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah non, c'est un gars de chez nous. Salut Red, merci d'avoir follow la chaîne, bienvenue à toi. Tu peux aussi nous rejoindre sur notre Discord communautaire et sur YouTube. Je t'invite à pour revoir les vidéos que tu as ratées ou que tu as aimées. Merci à toi, bienvenue dans la famille. Bah, bienvenue à tous dans la famille parce que je vous ai oublié pendant le fight. Oh, j'ai mal partout, putain. Bon, voilà, ça c'est fait. Hop là. Hop, on arrive. Oh, le boss trader, putain, ils sont bloqués. J'ai sauvé ta femme. Deux fois. Et quoi comme chien qui est vivant? Hein? NTW. Il y a les médecins qui demandent 500 000 au général pour les soins. Tu dis ça à moi, je vais me coucher. T'as faut combien? Là j'ai pas trop compris les gars, mais me demande pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Hein. 3, 6, et ok c'est bon pour moi. Oh merde. Voilà. Tu fais tout ça comme si tu me connaissais pas. Dors. Ah ouais. Oh dors. Eh, on a rendez-vous avec ta femme. Ouais, on a rendez-vous avec ta femme, elle a pris rendez-vous, c'est ce que... Ouais, tenez-moi au courant. Ouais, bah elle m'a dit qu'elle avait des nausées, donc j'espère qu'elle... Bon, bah voilà. Qu'est-ce que tu fais? Bonne action. Exactement. Bon, là, j'ai pas trop compris, hein. Là, faut m'expliquer, là. Là, faut m'expliquer. Il va trouver un petit bébé tout noir. Ouais, ils avaient un otage. Et vraiment, nous, en fait, on arrive de courant, on entend un tir. En fait, t'avais un super bon visu, toi, en fait, mon petit skid. Ouais, ah mais moi j'ai pris la première balle que j'ai tirée, je l'ai mis dans un pilote. Là. Ouais. C'est bien, on a frappé fort tout de suite, ils ont été choqués, je pense. Ah bah, ça, on a tapé le leaf. En même temps, je sais pas si c'est, en même temps, je sais pas si c'est bien ingénieux de jouer sur la mort de l'otage. Il y a un moment qu'il la répare. Forcément, si les mecs. Ouais, détendez-vous, c'est une action, les gars. Y a rien de dramatique, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il y a eu un otage, effectivement. On l'a récupéré, on l'a save. Il n'y a pas de souci. L'action en soi, l'action telle qu'elle était, il n'y a pas de problème. La police en est bien sortie. La rampage a joué son truc. Voilà, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Il y aura juste des explications sur l'action pour débriefer de l'action. Mais voilà, sans plus, hein, faut pas. On n'est pas là pour juger, hein. Le live n'est pas là pour juger. Hein. Chacun joue sa faction. Les résultats, on est qu'il est là. On a récupéré l'otage. On a fait notre boulot en plus de la LCO. Après, on va faire un petit débrief de l'action tranquillement tout à l'heure. Pour connaître les erreurs de la Rampage et de la police. Entre gazier et intelligent, sans crier, sans gueuler, sans rien. Et voilà, ça se passera bien, vous inquiétez pas. Ça sert à rien de polémiquer sur le chat. C'est le jeu, ma pauvre Lucette! Hein? Ouais, on va faire un petit débrief. Ouais, on a le temps de faire un débrief. Allez, à toutes les unités, vous mettez contre le mur. En escouade. Dès qu'il y a un hélicoptère rebelle, là, comme vous faites, là, vous pouvez tuer les moteurs et puis vous reprenez ce que vous faites après.
Ah, disons qu'ils ont, en fait, Joe, faut pas s'énerver, faut juste, voilà, chacun son opinion sur l'action. Après, c'est vrai que c'est un peu parti bizarre. Mais bon, on en discutera sur TS ensemble, t'inquiète pas. Mais ça me fait plaisir que chaque Rampage décédé revienne sur mon live. Merci à vous. Tu m'étonnes vu ton pic avant de prendre du world. Tous, il y a quelqu'un qui nous entend. Ah oui, pardon. Ouais, on t'entend. Il y a deux généraux ici, on peut demander au commandant aussi. Bah, moi j'ai envie de dire que le message qu'on a eu, RP parlant, le message qu'on a eu de la d'un mec de la Rampage par téléphone nous a dit qu'il a abattu l'otage et a tiré en l'air. Hein. Donc nous on a fait notre boulot, les gars. Bah, allez, faites-vous des cœurs, faites-vous des bisous et voilà. Bah, allez, bisous, bisous, cœur, cœur, love, love, bisous, bisous, et Mitoki donne le manouille. Voilà. qu'est-ce que je veux dire? J'ai pas eu c'est qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Ta vie était mignonne. Hein. Tout le monde est à poil, tout le monde est là. On a eu des décès, on a eu des pertes. On se voit que c'était pas moi. Moi j'aurais explosé avec. Ouais, 15 secondes, c'était peut-être un peu court. Bon, tout le monde est là, on a eu des pertes. Oui. Deux hommes. Deux hommes. C'est ridicule face à ce qu'on avait entre nous. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous avons fait preuve de professionnalisme face à une rébellion assidue, acharnée, mais désorganisée. Effectivement, un message téléphonique nous a été envoyé disant qu'une prise d'otage a eu lieu. Le pourquoi du comment, on ne sait pas. La revendication, on ne sait pas. Ensuite, nous avons eu un deuxième message téléphonique nous disant qu'ils ont abattu l'otage avec un coup de feu en l'air. Vous confirmez, CPA ? Affirmatif. Voilà. Donc, forcément, nous avons fait notre travail avec professionnalisme et technicité. Vous voyez, quand on travaille en groupe, alors je parle plus pour Viper et Cobra, ça fonctionne. Vous êtes des bonnes escouades, à condition que vous soyez dirigés dans le bon sens. C'est mon devoir. Et c'est ma place que je détiens aujourd'hui. CPA, grâce à la coordination de l'appui aérien et des TE, vous avez pu soutenir les unités au sol. Bravo, vous avez fait du bon boulot. Syrah, identique, vous avez fait votre travail, mais c'est normal, c'est moi qui vous ai formé. Mais... Ah bah, c'est ce que j'aurais appris. Bref. Donc en face, nous avions un certain nombre. Merde, c'est moi. Un certain nombre d'ennemis, de rebelles, connus pour traficoter sur l'Est, connus pour les prises d'otages. Syrah a pu récolter des identités des propriétaires des véhicules. Merde, pourquoi je cours? Et ça, c'est un travail d'équipe, messieurs. Certes, nous avons eu des pertes récemment qui nous ont un petit peu désorientés et désaiguillés, mais comptez sur les officiers actuels. Car nous avons la preuve encore aujourd'hui que si vous êtes orientés et guidés vers la voie, nous sommes efficaces et nous avons la chance et la fierté de porter l'emblème police. Vive la République, vive Altis. Bravo! Mes généraux. Oui, Dédé. Ça, c'est un cul. Hein. Avec Dédé. Ce sera tout pour moi. L'ensemble a été dit. Donc. Félicitations à vous, messieurs, en espérant que nous suivons et nous gardions ce cap pendant longtemps. Et... Ouais, et n'oubliez pas de garder patience face aux civils qui sont un petit peu impatients, justement. Ah, si, je voulais rajouter. Voilà, nous avons fait face à la DC, face à des civils un petit peu désorientés du cerveau. Voilà, ne rentrez pas dans son jeu et restez calme en toutes circonstances. Fixez-vous une priorité qui est notre priorité, les magistrats et la sécurité. D'accord ? Autre chose, jeudi, nous avons une vague de recrues. Le général a des interrogations sur ma façon de faire. Donc je compte fort sur vous
pour les orienter, les guider, les former. Et surtout, les former. Non pas à mon image. Actuellement, il en a repris 7. Mais nous avons besoin d'effectifs. Former, c'est recrue, vous inquiétez pas. Donc vous êtes pour la plupart d'anciens policiers. C'est pour ça que je me suis permis de prendre autant de recrues. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens policiers. Certes, mais nous n'oublions pas de former les nouveaux et ceux qui arrivent par grosses vagues. Parce que là, c'est pas une vague qui arrive, c'est un tsunami, les gars. Donc je compte sur vous pour votre sérieux, votre expérience, votre professionnalisme et surtout à mon image. Hein ? C'est sûr. C'est vrai. On va les faire galoper. Non, il n'y a pas d'AV, moi. Donc tu fais galoper personne. Moi, on dit merci qui ? Merci. On dit Dédé. Merci Dédé. Voilà. Il n'y a pas AV. Maman, on te parle. Oui. Je vais chercher les chaises qui sont derrière et que les civils nous ont piqué. Bon, bah écoutez, moi c'est bon. Moi, j'avais fumé une clope. Ouais, bah comme d'hab. Hein. J'allais prendre un petit cacheton parce que j'ai les oreilles un petit peu qui sifflent. Parce que j'ai oublié de mettre mes boules caisses. J'ai quand même vidé 7 chargeurs. Donc, les civils nous ont piqué dehors. Pas celles qu'on encaisse pour la tous, vous êtes libres. Récupérez vos véhicules, vos hélicos pour certains. Récupérez vos cartes de munitions, bandages et autres. Faites le plein. Et je m'occupe des salaires de Viper. Oh ouais Sierra, bon, madame, sauf des recrues parce que. Okay. Ah oui, Sierra, putain. Qui a pas été payé chez vous? Alors, adjudant chef, c'est combien? Adjudant, c'est combien? 2,5 millions. Underwood. Underwood, t'as pas été payé, toi? Non, non, depuis que je suis dans Sierra, j'ai pas reçu un centime. Mais viens, Rachid. J'ai pas compris ton truc, là. T'es où? Ben, à côté de l'héliport. Dégage, Snit, c'est pas ton squad ici. Il a dit Viper. À côté de l'héliport, là. C'est bon, t'as eu? Ah non, putain, faut que je retire. Venez, Sierra. La journée, c'est que avec le général. Putain, tu penses pas? Oui. Tu peux prendre un parachute? C'est la route de Tintin. Ouais, ouais. Ça, c'est un peu dommage. Prends-moi un parachute, j'ai envie de tenter un truc. Alors, Mike. Attends, je vais m'occuper de Sierra déjà. Je fais ce péter avec une charge. Alors, je sais pas s'il en manque, je vous donne déjà ça. Je verrai avec Stivers. Avec un parachute, avec 10 000 quand même. Ok. Oh, c'est pas mal. 10 000 faut acheter. Dix. Je vais voir comment si on piège un hélicoptère dans les PO à venir, comment ça fait. Suivant. Toi, t'as déjà été payé, toi, escroc. Je t'ai donné ma part. On prend une charge. Attends, on s'en fout. Un parachute, please, man. Jeff, il est où? Bon. Alors, combien sur les salaires de la semaine dernière là? Bonne question, j'en ai aucune idée. Je sais pas combien on me doit. Non, mais toi, je te donne déjà ce que tu dois de Sierra. Tu me dois un sac à paquet d'argent. 30 000, ça fait cher. C'est ça ce que je donne pour Sierra. Mais il va en manquer déjà. Shop civil, il est à 10 000. Les salaires, Mike, arrête, de la semaine dernière. C'est la semaine dernière? Moi, j'ai rien à plus que moi. Il y avait plus personne. C'est non, mais comment vous calculez vos salaires, vous? Bah en fait si tu vas sur le compte Viper, on les mecs... Bah j'ai pas accès. T'as pas accès au compte Viper? Non. Trouve-moi ça là. Trouve-moi ça, comme ça je les paye. Ouais mais... Ouais j'ai accès mais j'ai pas regardé. Mike, regarde la feuille et dis-moi les salaires. Je sais pas où on le trouve ça moi. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Vas-y donne. Tu regardes Viper et tu regardes le salaire. Par contre tu peux valider ou pas? Valider quoi? Y'a personne. Bah sur le site que je donne pas à chaque fois. Non non. Tiens Mike. Y'a aucun montant de salaire en fait qui est indiqué sur ce que vous me dites là. Y'a rien du tout, y'a les grades et tout, mais y'a rien du tout quoi. Bon, on est... vous êtes combien? Là, on est à devoir un mois, on est 3. T'as Okai, Redfield et Dumas. En gros 3 salaires. 3. Allez venez hop. Ça me coûtait cher ça encore. Hein. Distributeur, un mois, ça fait 2,5 et 3, ça fait... Putain, faut que je prenne une calculatrice, les gars. Ça fait 3 salaires. Ouais, non, mais j'ai compris, merci. Mais
7,5 x 3. Ça bien fait 21. En haut de la verne. De 23 000. 23 millions. Ok, Redfield, hop, donc je calculerai, pour l'instant je vous donne ça. Redfield. Tu t'occupes pas encore de prendre les salaires et demain les amendes et tout ou pas, c'est le désir. Ouais. Alors, Mike, ouais. Il faut passer Viper sur le site de la police. Alors toi c'est bon, Dumas. C'est qui qu'il faut mettre Viper? Combien? Allez. C'est Vinny qu'il faut mettre Viper, ça? Ouais, c'est ça, sur ma tête. Tiens. Oh, comme ça fait plaisir. J'ai trop de sirop, je crois. Du mas. Allez, range ça. Jack, pour tous les sirops, passage KML6, c'est venu au mur 8. Et s'il a payé des Viper de père en fils depuis septembre 83. Oh, comme ça fait plaisir. Alors. Alors. Les autres qui ont pas été payés, vous venez là. C'est bientôt à moi que je suis là. Il y a un coma. Douglas, ça fait combien de temps que t'es là, toi? Ouais, non, c'est comme nous. Non, mais viens là. T'es arrivé quand dans la police, toi? Je suis arrivé vendredi dernier. Ok, d'accord, tu peux y aller. Tu seras payé jeudi. Sinon, t'es arrivé quand, toi? Il y a un mois et demi environ. Non, sérieux, t'es arrivé quand? Vendredi? Allez, tu seras payé jeudi aussi. Dumas, c'est fait. Ouais, t'as bien reçu ce que je t'ai donné. Mike, c'est bon. Ouais, c'est bon. 1 650 000. Dumas, salut, t'as tué quoi? Ouais, ça fait du bien. C'était combien? Snid. 7 millions. Adar aussi, ok, c'est bon. Tu passes à 35 000. Moi, je suis passé à 13, là, ça remonte. Vous voulez que je vous dise combien j'ai gagné? Moi, commandant, je suis rentré jeudi dernier. Vas-y. Ça a payé jeudi aussi. Bah, allez, je sais pas, même si je me mets comme ça, genre. Tiens, les gars, je vous ai donné mon pognon. Salut Lucas, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. Hein? De quoi? Là, j'aurais donné un mois de salaire, ils ont pas été payés depuis un mois. Donc, tu auras donné combien au total? 7,5 millions à chacun. Au total. Bah, 7,5 millions x 3, ça fait 25 millions. Et t'as eu l'argent des amendes et tout, t'as récupéré ça? Ouais, je les ai sur moi là. Tiens, d'ailleurs, je vais te les donner. Ouais, moi, faut que je te donne des sous. 1 650 000. Ah non, je t'ai donné plus, hein, DD. Ah bon? Je t'ai donné 3 millions. J'ai mis sur le 3 millions, tu m'as donné? Ouais, je t'ai donné 3 millions, mais t'as dû les utiliser pour les donner à quelqu'un. Ouais, bah c'est pas grave. 3 millions, tu m'as donné? Ouais, je t'ai donné 3 millions, ouais. Je m'en rappelle plus. Tu m'as donné 1 695 000. T'es où? Mets ton filet, je te comblerai le reste. Tiens. Tiens, attends. Attends, je donne juste ça au général. T'as moyen de me dire là, genre sur le livre de compte? Mais garde ta thune, dis-moi combien il te faut surtout. Parce que si t'as 5 millions. Non, mais 3 millions avec. Mais ça, c'est les amendes, ça. Oui, bah. De toute façon, je vais te repayer les trucs de. Bah oui, je sais. Bah là, j'aurais donné un surplus de ma part en fait. Oui, enfin, si t'as donné 25 millions, c'est les salaires qui sont pas eu depuis un mois, je vais te rembourser. Ils ont pas été payés depuis un mois, les gars. Bah, je sais, ils m'ont dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'attendais de le voir. Donc voilà, ils le méritent. Le, hein. le graphique, c'est ce que je dois donner, c'est ça? Le bleu, ouais, le bleu, c'est ce que tu dois donner. Mais pourquoi j'ai genre. C'est saisine non reçue et amende non reçue. Je pas donner genre les deux. Alors, vous nous avez bien aidé à la hutte cet après-midi. Ouais, bah, j'espère qu'on va avoir une petite prime de la hutte quand même. C'était impeccable. Ouais, salut fiston. Pourquoi tu me donnes ça là? Moi, je vous ai donné 50 000 aussi parce que j'ai pris une amende tout à l'heure. Mais arrêtez de me donner de la thune, moi je sais plus après ce que c'est, moi. Sinon, tout ça. On garde tout l'argent qu'on prend, hein, ça me va. Hein. Non, ça marche pas. Tenez, cadeau mon commandant. 1 378. 350, putain, les gars, merde. Balance-moi tout. Tiens. Attends, tiens. Parce que là. C'est ça, vous avez plus besoin de payer les gens. Moi, du coup, faut que je donne 2 228 800. Vous ne pouvez pas donner autant d'argent? Comment ça? Non, 9. Bon, mais là j'ai. Ah merde! En plus, ouais. Attends, je te donne ce qu'ils m'ont donné. Attends, ah putain! Attends, c'est pas fini. 800.
228 000, ouais. Il manque 2 millions. 2 millions 228 000. Je sais pas. 2 millions 228. Oh, du coup, je fais quoi pour dire là? Ah oh, putain. Et il faut rien mettre. Attends. Quand on fait ça. Non, il est là-bas. 3, hop, Jackson, donné. Vous n'avez pas assez d'argent. Ah, d'accord. Non, 2 millions 228 000. 1, 2, 3. 2 millions 228 000. Voilà. Tiens, t'as tout l'argent maintenant. Du coup, nous, quand on fait ça, on doit rien. J'ai tout là, du coup. Ouais, t'as tout. Hein? On note rien, nous, quand on vous donne des sous. J'ai pas compris. Quand on vous donne l'argent, on note rien sur le doc, tout ça. Bah, si. Quoi bah je sais pas. j'ai pas trop compris leur truc encore. Non, 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 c'est toi qui as déclaré comme quoi tu l'as bien reçu. Ah d'accord. ouais bah j'ai tout bien eu hein. bah et si tu une D5 et que ça te l'achète pas. Bah ça te l'a bien l'argent mais que t'as. C'est quoi une D5? tu m'étonnes. Ouais, ils ont fuiné. Ils ont fuiné grave. C'est rentable tout ça. Oui, j'aime que l'argent des taxis tombe. Tu m'étonnes. Faudra que je voie avec Sierra exactement pour mettre tout à clair là parce que ouais c'est moi. Moi j'ai quand j'étais encore dans Sierra j'étais payé par Wissi il y a 3 jours hein. Mais même partout en fait tu m'as même payé il y a 3-4 jours. Merci Jackson, ça fait plaisir. Ouais bah toi t'as été payé toi. Ah oui par Sierra. Oui bah voilà, bah, c'est bon. Non parce que j'avais encore le pognon de certains encore qui était pas là. Okay. Bon, donc voilà. Ah bah tant pis. Vite, un débrief. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi ce soir en 20h minuit, comme d'habitude. Alors, comme à mon habitude, je remercie tout le monde. Mais là, il va y avoir une sacrée liste. Hein, tant pis, hein, l'écran ne sera plus là. Donc, merci Lolo, merci Daniel, merci Nureka, merci Mortaxi, merci Teco, merci Mahmoud, merci Alessio, merci Miro, merci Commissaire Pierre, merci Alexander, merci Jenna, merci Papito, merci Monari, merci Yadri, merci Red, merci Adeluca, merci pour vos dons chaleureux de début de soirée. Je vais enfin pouvoir vous faire plaisir avec mon stream deck. Merci à tous les dons, merci à Mortaxi pour son don, merci à Daniel, merci à Vaillon, merci pour les beats Mortaxi aussi, merci pour avoir comblé ce trou. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Je sais pas comment vous remercier. Vous m'avez mis en PLS en début de soirée. Je vous le dis clairement, j'étais en PLS, je ne savais pas. Merci aussi de vos commentaires sur le overlay que j'ai modifié cet après-midi pour fêter le partenariat avec Instant Gaming qui retransmet directement mes lives sur leur site. Merci à eux, merci à vous. C'est grâce à vous qu'on en arrive à ce point-là. Maintenant, l'objectif, c'est de le partenariat avec Twitch pour vous offrir encore plus, pour vous donner encore plus. J'espère qu'on va y arriver. Sur les 3 conditions, on en a rempli 2 déjà tous ensemble. J'espère qu'on va remplir la 3e. Merci à tous d'être présents. Merci de votre fidélité. Et moi, je vous dis ciao, ciao la famille. Bisous, bonne nuit. Demain, 20h minuit ou sur un autre jeu dans la journée. On ne sait pas. Merci à tous et loulous. Bonne soirée, bonne nuit. Prenez soin de vous. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfield TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.